soir. Scott, qu'il y a le son. Est-ce qu'il y a le son? Confirmez-moi qu'il y a le son, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a le son? S'il y a le son, vous me dites s'il vous plaît, parce que parfois mon téléphone, quand je lance le direct, il a un problème de son et je suis obligée de relancer en fait. Est-ce qu'il y a le son s'il vous plaît? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Dites-moi s'il y a le son, s'il vous plaît, pour que je commence à parler. Désolée pour le retard. J'ai eu une demande assez importante des ondes positives. Et je me suis dit, c'est un début de semaine, donc je ne pourrais ne pas donner les ondes à mes abonnés chéris. Est-ce qu'il y a le son? Parce que j'arrive pas à voir, à lire les commentaires. Ça défile. Est-ce qu'il y a le son? S'il y a le son, vous me dites qu'il y a le son. Comme ça, je continue. S'il n'y a pas le son, je relance le direct et puis... Salut! Ah d'accord, là je vois les commentaires. Ok, cool, super, il y a le son, super, Dieu merci, il y a le son. J'avais peur de devoir reprendre le direct en fait. Alors, je peux commencer? Partagez le direct, hein, s'il vous plaît. Allez, partagez, hein, partagez le direct d'abord. On va faire un petit recap, hein, des anonymes de la semaine dernière. Oh. Un bonsoir spécial à Belle Gatobi. Vous confirmez que c'est la vraie page ici, hein? Les arnaqueurs ne peuvent pas se mettre en direct parce que, en fait, eux, ils sont pas Ivana, chef d'État. Eux, ce sont des personnes fictives. Oh là là. Alors, désolé pour ceux qui ne sont pas, qui parlent pas mal langue. Il m'arrive d'aimer les chansons de chez moi, hein, ça fait plaisir. Il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer. Le français, poulassi, un temps, et puis un moment, on rentre un peu au village, c'est important.
Alors, partagez le direct. Je vais commencer à saluer rapidement. Le principe est simple. Pour que je vous salue, vous me saluez en premier. Je lis votre commentaire et je vous envoie les ondes positives. Alors, pour les nouveaux ou alors les nouvelles personnes qui me suivent, vous devez savoir que quand je me mets en direct, c'est généralement quand je me suis préparée spirituellement à le faire. C'est-à-dire que je suis en quelque sorte chargée spirituellement. Je suis pratiquement remplie d'énergie positive. Et ce qui se passe généralement, c'est que lorsque je les transmets un tout petit peu à chacun de vous, vous ressentez des vibrations. Quand je prononce votre nom, vous ressentez comme un frisson, comme quelque chose qui vous traverse le corps. Et ça se termine généralement par un témoignage, parce que quand j'envoie les ondes positives, vous êtes censé expérimenter un miracle que le Seigneur, bien sûr, voudra bien opérer dans votre vie, dans un domaine précis. Et puis voilà, ce que vous faites, c'est qu'après vous venez témoigner, comme c'est généralement le cas. Mais comme je ne peux pas tout poster, ça me fait généralement quand même plaisir de lire vos témoignages des ondes positives. Alors, on va commencer. Autre chose, je ne salue pas les faux profils parce que sinon ça ne marche pas. Étant donné que j'envoie les ondes positives à une personne réelle qui existe, ça veut dire que si vous êtes en faux profil, mettez votre nom. Quand vous me saluez, vous mettez faites le commentaire en écrivant votre nom comme ça, que ce soit votre nom que je prononce. Voilà, sinon ça ne marchera pas et ça ne sert à rien de saturer les commentaires pour rien. Donc je vais commencer. Flore et Sono, je t'envoie plein d'ondes positives, ma chérie. Ramadia, Chloé Sindier, Tatiana Jomo, Jackson Bindom, Sonia Ngounou. Si je prononce votre nom ici et que ce n'est pas votre vrai nom, tant pis, hein. Tant pis pour vous, hein. Ouais, tant pis, ça ne marchera pas. Katalia Ndungu, alors le secret c'est de mettre votre nom. Si vous n'êtes pas sur Facebook avec votre nom, quand vous commentez, vous écrivez votre nom en commentaire pour que ce soit ce nom-là que je prononce. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le nom. Un nom et un prénom, ça suffit. Olivia Douala, Vanessa Tuemonier. Désolée, hein. I just lovely Choco, ça c'est pas ton nom, ça donc ça marchera pas. Honori Magatsing, Sophie Ngokondok, Karel Andela, ça aussi c'est pas ton nom ça. Emmanuel Jordana Oba, Joël Ngono, je vous envoie plein d'ondes positives pour le compte de cette nouvelle semaine. Que le Seigneur Jésus vous visite, hein, qu'il vous visite particulièrement dans un domaine particulier de votre vie cette semaine, c'est-à-dire avant la fin de la semaine. Vous êtes censé expérimenter la gloire de l'Éternel. Et j'espère que vous viendrez témoigner dans mon inbox avant la fin de la semaine. On continue rapidement. Maëlle Tonta, Dominique Delmas, ça c'est pas ton nom. Guylaine Mboufette, Chloé Cindy, ça aussi c'est pas ton nom. Stéphane Joël Jansse. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Quand je prononce votre nom et que vous aimerez orienter vos ondes positives dans un domaine précis, vous pensez dans un domaine précis, vous pensez à ce domaine-là. Par exemple, tu es commerçant et depuis un certain temps, tu n'as pas des rentrées dans ton commerce. Ton commerce ne fait pas de rentrée, tu n'as pas beaucoup de clients ou alors tu en as beaucoup perdu, ça ne se passe pas vraiment comme tu veux. Alors quand je t'envoie les ondes positives, tu penses à ton commerce, tu médites sur ton commerce et tu dis au Seigneur que tu souhaites recevoir ces ondes positives dans ton commerce. Ça c'est un exemple. Tu es dans ta relation, ça bat de l'aile, ça ne se passe pas comme tu veux. Je sais pas, c'est un coup tension, un coup on s'entend, un coup on s'entend pas. Tu aimerais recevoir tes ondes positives dans ton couple. Tu n'écris pas ici, mais tu penses à ça. Si je prononce ton nom, tu orientes, ça, c'est spirituel. Il n'y a que ceux qui sont habitués à prier qui peuvent comprendre. Mais généralement, si je prononce votre nom et que vous ressentez des vibrations, vous me le dites en commentaire. Comme ça, on va continuer. Mais je ne peux pas saluer tout le monde. Il faut qu'on s'entende. D'accord? Donc, pourquoi je te salue? Tu me salues rapidement en commentaire. Si je ne vois pas, tu resalues. Jusqu'à ce que je vois et que j'arrête. Bon,
Malheureusement, je suis en train de trier hein, parce que je ne vais pas prononcer les noms qui ne sont pas vos noms. Sonia Ngounou, Laetitia Zambo, bonsoir Carole Mélissa Monet, je sais pas, ça défile. Violette Douala, Amzetou Zorom, Cristal Angie, Winnie Flore, Laetitia Zambo, oui, j'ai prononcé déjà, je crois. Annie Kenza, Cissé. Partagez, hein, partagez le direct pour les autres. Ronald Djebaï, Aoussa Touré, d'accord, Nga Caliste Auréole, Daniel Essomer reçoit ça profondément, ma chérie, profondément, profondément, avec toute la foi. Belba Blanche, Zita Toutoumé, j'espère que j'ai bien prononcé, sinon désolé. Guylaine Bouffette, je crois que j'ai déjà prononcé ça. Ginette Galardo. Alors, n'appelez pas quand je suis en direct, s'il vous plaît, vous risquez un blocage. N'appelez pas si je vous vois en direct. La reine mère, quand vous avez prononcé mon nom, j'ai eu la chair de poule. Oui, Joël Ngono, c'est ce que j'ai dit. Qu'il se pourrait que quand je prononce votre nom, que vous ressentez... En fait, c'est des vibrations. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est spirituel. Ce sont des vibrations intenses que je vous transmets. Hein? C'est un peu comme de la magie, mais ce n'est pas de la magie, c'est spirituel, d'accord? C'est un peu comme quand vous priez, quand vous vous mettez en prière. Je ne sais pas comment vous priez, vous, mais moi, quand je me mets en prière... Et que je suis en étroite collaboration et que avec mon Dieu, je le ressens, c'est-à-dire comme s'il était en face de moi et que je peux lui parler en fait. Donc le spirituel, on n'explique pas, c'est magique, c'est quelque chose de voilà. Donc si je prononce votre nom, je vous ai dit au départ, il est fort probable que vous ressentiez des vibrations ou bien, je sais pas. N'oubliez pas de soumettre ça. Fanny Domo reçoit ça profondément, ma chérie. Evelyne Marly, Janice Mani, Khadija Toubouréima. Ne quittez pas. Allô? Oui, toutou, je suis en direct. Oui, je suis au site. Donc, si tu veux me retrouver, je suis au site. Au site de production. Oui. Voilà, Kimberly Bengono, Sandrion Nasri, Alexia Tsage Shuna, Megan Nyakon, attendez, c'est compliqué de lire là. Karel Sodo, Kendalor Matene, Chabliton Fak, Carole Omba, Olga Eyenga, recevez profondément mes ondes positives et que le Seigneur se manifeste. De cette semaine qui vient de commencer dans un domaine précis de votre vie, que vous soyez profondément marqué par la présence du Seigneur, par son miracle, par sa grâce dans un domaine que soit vous aurez choisi, soit que le Seigneur vous aura choisi. Et j'espère que vous viendrez témoigner dans mon inbox avant la fin de la semaine. Voilà, tu as apporté, tu as commandé aussi. D'accord. Ok, après tu me laisses seule, hein, parce que tu peux aller. Anastasie Bétier, Nina Abatoua, Fran Yami, Kendra Laure Matene, Karel Labelle. Surtout les personnes qui font des activités commerciales. Priorité aux personnes qui font des activités commerciales, je vous en prie. Parce que je suis plus chargée, mes ondes positives sont plus chargées, sont plus orientées vers les finances. Voilà, il y a des moments comme ça, il y a des moments c'est plus la santé, il y a des moments c'est plus les grâces, il y a des moments c'est plus les finances. Et là, c'est plus les ondes financières que je déverse. Donc, s'il y a des commerçants, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont des activités commerciales, vous avez la priorité, si un début de semaine, recevoir des ondes positives sur le plan financier, c'est très important pour vos entrées, pour votre comptabilité. Tu es en train de me bloquer le truc. Voilà. Ne ferme pas. Pose seulement. Comme je n'ai pas encore mis le truc. Voilà. Voilà. Donc,
Merci madame, j'ai eu la chair de poule quand tu as appelé mon nom. Ah bon Anastasie. Voilà, bon, on va commencer. Hein. On va commencer. Je vais saluer les gens encore à la fin du direct. Donc pour le moment, vous partagez d'abord le direct. Vous partagez. Je vais d'abord qu'on parle des arnaqueurs. Parce que vous savez mieux que moi qu'il y a une pile d'arnaqueurs. Mais c'est-à-dire que les gars ont développé tout un business. Tout un business avec mon nom. C'est-à-dire il suffit de prononcer mon nom, il suffit de créer un profil et de l'appeler Ivana chef d'État pour arnaquer les Camerounais. C'est fou, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que beaucoup, vous êtes là, vous avez forcément été arnaqué, vous avez forcément été abusé par des profils se faisant passer pour moi. Mais quand même, vous-même, vous réfléchissez. Ou bien, je ne sais pas, je ne comprends pas. Comment vous pouvez envoyer votre argent à quelqu'un qui vous envoie un Orange Money qui n'a même pas un nom fiable? 1. 2. Vous n'avez pas de traçabilité. 3. Vous n'avez même pas de certitude. Vous faites comment pour envoyer votre argent à quelqu'un qui se dit être Ivana chef d'État? Vous tombez sur une page où la personne copie mes publications et poste sur sa page et la personne n'a même pas les 100 likes, les 200 likes, les 300 likes. Vous faites ça comment en fait? Quand vous savez que sur ma page à moi, c'est-à-dire la page originale, on a au moins 2, 3000, 4000, 5000, jusqu'à 10 000 réactions quand on fait nos publications. Ça veut dire qu'on a une interaction assez élevée. Comment vous faites pour tomber dans le piège des arnaqueurs qui, eux, sur leur page respective, ont les 100 likes, les 200 likes? Vous m'avez déjà vu avoir 200 likes sur une publication des anonymes? C'est impossible. Comment vous faites pour envoyer votre argent comme ça aux arnaqueurs? Quand vous êtes en train de discuter avec une Ivana chef d'État sur les réseaux sociaux, qui n'est peut-être pas moi, avant de faire n'importe quel paiement, avant d'arriver à cette phase-là, vous demandez un appel vidéo. Vous demandez un appel vidéo avec moi. Normalement, moi, quand je dois recevoir un paiement, j'exige l'appel vidéo. Vous lui dites à la Ivana en question, voilà, oui, ma facture fait tel montant. Et généralement, ils ont des montants exorbitants. Hein? Je vois des gens qui me disent, bah non, j'ai envoyé tel montant. Attendez, vous réfléchissez parfois. Dès que tu es en train de discuter avec une Ivana et qu'on t'a envoyé ta facture à payer, entre guillemets, parce que généralement, il y a des signes. Les arnaqueurs, généralement, ils sont très... ils sont trop gentils, hein, genre. Moi, je ne suis pas gentille. Moi, je ne suis pas gentille. Oh. moi, la vraie Ivana, je ne suis pas gentille. C'est-à-dire, quand tu me contactes, je ne suis pas le genre à te dire... oui, ma chérie, ton traitement fait tel montant. Et après, tu vas me dire, ok. L'arnaqueur, généralement, il revient te dire, tu comptes te payer quand? Moi, je ne pose jamais ce genre de questions parce que si tu payes ton traitement ou pas, c'est pour ta vie, c'est pour ton bien. Donc, si tu veux, tu payes. Si tu veux, tu ne payes pas. Tu ne me verras jamais venir te poser une question à quelqu'un du genre, tu vas payer quand, ma? Tu comptes te payer quand? Ouais, il faut vite payer comme ça, je mets ta part de côté. Voilà les thèmes des arnaqueurs. Il te dit que, ouais, ma chérie. Maman, moi, j'appelle les gens ma chérie. Je n'ai rien à faire. Moi, là, j'ai au moins 20 000 messages. Je dis 20 000 messages rien que sur WhatsApp. J'ai pas le temps de commencer à répondre jusqu'à te dire les ma chérie, mon cœur, tout ça. Ma youyou. Ah, j'ai pas le temps. Bonsoir, je vais te dire ce que j'ai à te dire. Si tu as un traitement à faire, je te dis le traitement que tu as fait. Je ne suis plus avec toi, je suis à partie. Mais l'arnaqueur, il va t'entretenir, il va te mettre, je veux dire, en confiance. Dès que tu vois déjà qu'il est trop gentil, là, tu vois. Moi, généralement, ceux qui ont déjà discuté avec moi, quand je dis que je ne suis pas gentille, j'abuse un peu, je suis gentille. Mais en fait, je n'agace pas. Je ne harcèle pas le client. C'est différent, hein? C'est différent. C'est-à-dire que toi, tu viens voir Malam.
pour poser ton problème à Malam. C'est ton problème, hein. C'est-à-dire que c'est toi qui ça dérange. C'est toi qui subis les retombées de ton problème. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est toi qui subis les retombées de ton problème. C'est toi que ça blesse. Mais tu viens voir Malam. Malam te dit que pour ton problème, si il te faut par exemple le kit déblocage. C'est-à-dire que je précise que c'est un problème qui te dérange toi, pas Malam. Malam n'a pas le problème. Malam, elle est bien. C'est toi qui as le problème et qui veut le kit déblocage. Malam commence encore à te mettre la pression pour acheter ton kit déblocage pour ta propre guérison. C'est normal ça? Vous faites souvent comment en fait? Vous faites ça comment? Et attends, j'ai vu des captures où des gens demandent à l'arnaqueur est-ce qu'on peut faire un appel vidéo? L'arnaqueur te répond que non, je suis occupé. Ou bien tu demandes à l'arnaqueur que vos locaux sont situés où? L'arnaqueur répond que c'est confidentiel. Donc tu as des locaux et puis c'est confidentiel. Alors pourquoi tu as des locaux? Si ça doit être confidentiel là, c'est pas mieux, tu as fait ça chez toi? Si tu as des locaux et puis ça doit être confidentiel, c'est pas mieux, tu as fait ton commerce dans ton salon? Ah! Et quand l'arnaqueur te dit ça, non, c'est confidentiel, tu crois? Non, 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 fais juste le Orange Money, je t'envoie mon livreur. Il y a une arnaqueuse, la Geneviève, ou c'est Geneviève qui l'a? Une fille du Mbam. Geneviève, je ne sais pas qui l'a. Toujours une de mes arnaqueuses, hein? Qui, elle, quand tu lui fais un message, elle te dit. Bonjour, oui. Bonjour, ma fille. Envoie-moi d'abord, dépose d'abord 100 000 sur le numéro Orange Money ici pour que je te reçoive dans mon bureau. Donc, moi, madame, vous pensez que moi, madame, la vraie, c'est-à-dire l'original, l'authentique, moi, là, j'ai tellement faim jusqu'à pour écouter les poèmes de quelqu'un, je vais te demander 100 000. C'est-à-dire, quelqu'un vient te voir, quelqu'un te fait un message, quelqu'un te contacte parce qu'il a des problèmes. Alors, s'il a des problèmes, ça veut dire que forcément, ils sont d'ordre financier ou bien je ne sais pas quoi. Mais en fait, il est mal. Alors, toi, pour l'écouter, toi, tu lui demandes 100 000. De t'envoyer 100 000 par Orange Money d'abord. Et puis, toi, tu vas le recevoir dans ton bureau. Attends, c'est pas mieux? Il va venir dans ton bureau comme ça. Après, tu vas lui demander les 100 000 là. C'est pas mieux? Moi, je peux pas. Ceux qui me suivent, ceux qui me follow normalement, mes vrais abonnés, connaissent un peu mon tempérament. Il y a des choses que je ne peux pas faire. J'ai vu l'autre qui disait encore hier à quelqu'un, envoie-moi 10 000 pour la consultation. 10 000 pour la consultation. Ah, on peut faire ça. Et vous avez votre manière de justifier les choses. Vous dites, non, c'est parce que toi, tu ne réponds pas, donc on est obligé d'aller chez les arnaqueurs. Justement, l'arnaqueur lui répond vite parce qu'il n'a pas beaucoup de messages. Quand tu écris à l'arnaqueur, il te répond très rapidement parce qu'il n'a pas de messages. Il est là pour ça, pour chercher son argent. Et pourtant, moi, je suis là pour résoudre les problèmes des gens. C'est pour cela que je ne passe pas d'un message à l'autre. Quand j'ouvre un message, je le lis, je le culte, je l'analyse, j'essaye de le comprendre et je résous le problème. Ça prend du temps. Par contre, l'arnaqueur, quand tu vas lui poser ton problème en écrivant toute la Bible de ta famille, depuis la Genèse, quand tu étais né, jusqu'à ce que ton grand-père te mange dans le tapioca, quand tu écris comme ça à l'arnaqueur, lui ne lit pas. Hein? Toi, tu crois qu'il a lu, mais il ne lit pas ça. Dès qu'il reçoit ton message, il vient seulement t'écrire en bas que envoie-moi 10 000 pour la consultation ou bien envoie-moi 100 000 dans le Orange Money ici. Comme ça, je te reçois dans mon bureau. Sinon, il n'a pas vraiment lu ton message. Hein? Il n'a pas lu ton problème. Hein? Parfois même, il lit. Quand ton problème n'est pas très long, il peut se permettre de lire. Il t'invente un truc du genre, tu es dans une coquille, tu es dans la nuque du cheval, tu es dans ceci. On t'a enfermé dans la coquille du chien. C'est monté. Bref, il te raconte un truc. Pour te dire après que bah, tu vas faire tel traitement, rapidement, ça dit, il fait tout pour se débarrasser de toi très très rapidement. Pour que en fait tu fasses le paiement. Et pourtant, moi je ne fais pas ça. Moi, quand tu m'envoies ton message, je te pose mille et une questions. Parce qu'il faut que je comprenne ton problème. Je ne vais pas te dire va acheter tel kit, va acheter telle chose. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui va t'aider. Non! C'est pour cela que je tarde à répondre à vos messages parce que
Bachirou. On a sonné. Alors, moi, je tarde à répondre aux messages parce que j'en ai tellement. Imaginez-vous que j'ai 20 000 messages environ par semaine sur WhatsApp. 20 000 messages. Pas un, pas deux, pas trois, pas 20. 20 000. 20 000 messages. Ça veut dire 20 000 personnes qui t'ont écrit. Je suis suivie par quand même plus de 200 000 personnes. Donc, 20 000 m'écrivent environ par semaine. Vous pensez vraiment que je peux lire les messages rapidement, comme vous pensez là? Alors, quand vous m'écrivez, je ne vous réponds pas à temps. Au lieu de patienter, ce que vous faites, c'est que vous partez taper une autre Ivana chef d'État et vous partez vous faire arnaquer. Ok, moi, je ne refuse pas que vous partez écrire chez l'autre Ivana chef d'État. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que avant de faire le paiement, est-ce que vous pouvez quand même prendre la peine de demander à ma juju Ivana de vous faire un appel vidéo? De vous faire... Mais tu m'as fait peur, hein? On peut faire ça. Vous pouvez demander à ma juge de vous faire un appel vidéo. C'est la moindre des choses. Avant de faire ton paiement à quelqu'un, tu lui demandes de faire l'appel vidéo. Maintenant, pendant l'appel vidéo. Parce que les anacos sont trop forts. Ils peuvent couper ma vidéo comme je suis en train de vous parler là. Ils prennent mes vidéos en direct. Quand tu lui dis que tu veux faire... Quand tu lui dis que tu veux faire l'appel vidéo, il te dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gars prend un téléphone, il te plaque une de mes vidéos d'un ancien direct. Et dès que tu lances la vidéo, après il raccroche, il te dit que non, c'est bon, je suis en direct, ma chérie. Si tu n'es pas attentionné, un temps soit peu, tu vas croire que c'est vraiment moi qui suis en direct et que je ne peux pas te parler. Et donc tu vas faire ton paiement pour qu'on discute après alors que c'est l'arnaque. C'est pour cela qu'il est important. C'est pour cela qu'il est important. Vraiment, Nadège, on peut effrayer le chef d'État comme ça. Ah. Oh, tu m'as fait peur, maman. On ne peut pas passer dans la vie. Tu fais peur. Donc, c'est pour cela que quand on vous lance la vidéo, vous devez avoir une conversation avec la personne, c'est-à-dire avec moi. Dès que vous lancez la vidéo avec la Ivana, vous commencez à lui poser des questions. Bonjour Ivana, comment tu vas? Machin, ok, moi c'est elle. Est-ce que tu peux prononcer mon nom? Dès que tu prononces ton nom, tu demandes à la Ivana avec qui tu es en train de discuter de répéter ton nom. Dès qu'elle a répété ton nom, c'est bon. Parce que l'anaco ne peut pas utiliser ma voix pour parler, pour prononcer ton nom. Ça, c'est impossible. Donc, quand tu m'appelles, dès pendant qu'on est en train de discuter, tu me donnes ton nom et je le répète. Si je ne répète pas ton nom là, juste là, tu as deux ou trois choses à faire. Si je ne fais pas les deux ou trois choses là, ne fais pas ton paiement. Ne fais pas ton paiement. Ne fais pas ton paiement. C'est pourtant très simple. En fait, c'est ça qui fait, après, on vous arnaque et tout. Après, vous venez me dire que c'est parce que je ne réponds pas. Donc, il fallait déjà qu'on s'entende sur ce principe-là. Hein? Je ne veux plus les pleurs du mollet après que, oh, chef d'État, on m'a arnaqué, machin, machin. Avant d'envoyer ton argent, tu fais l'appel vidéo avec moi. C'est moi qui autorise. C'est moi-même qui autorise. C'est mon nom, c'est ma page. C'est moi qui autorise l'appel vidéo. Donc, il n'y a pas de raison qu'un arnaqueur te dise quand tu demandes l'appel vidéo. Moi, par exemple, il y a parfois quelqu'un qui demande l'appel vidéo. Je peux lui dire que je suis occupée, mais je vais le rappeler plus tard. Et je le rappelle. Mais tant qu'on n'a pas fait l'appel là, tu n'envoies pas ton argent, c'est tout. Bonsoir la belle femme de mon frère. Et qui est Samboa? Quel frère encore? Quel frère? Oh, oh. Yannicke. Oh, oh, pétard. Donc, voilà, ça c'est, je crois qu'on a fini avec le chapitre des arnaqueurs. On va un tout petit peu parler des sacrifiés. Je sais que c'est un sujet qui vous fait. C'est vrai que ça a fait flipper beaucoup de personnes. Donc, j'évite un peu de parler de ça en journée parce qu'en journée, il y a beaucoup de personnes qui sont encore éveillées. J'aime parler des sujets comme ça dans la nuit parce que dans la nuit, les enfants et les jeunes personnes sont déjà touchées. Généralement, ce sont les adultes qui sont éveillés. Hein? C'est mieux qu'on parle de ça dans la nuit, non? C'est pas mieux qu'on parle de ça dans la nuit?
Merci Patricia. Merci, merci. Donc, on va parler des sacrifiés. Hein. Bon, pour éviter, je vais plutôt répondre à vos questions. Donc, vous me posez des questions, je vous réponds. Concernant le sujet d'hier aussi, si vous avez des questions pour les prêts d'argent et tout ça, mais faites très attention. J'ai vu des gens écrire hier en commentaire pour juger la dame. Est-ce qu'il n'y a pas les banques? Est-ce que vous pensez que les banques ne font pas ce travail-là? Vous connaissez combien de banques? Combien de banques ont ruiné les gens ici dehors? Vous savez que la banque travaille l'argent. Pas toutes les banques, hein, mais la majorité. Vous connaissez? Est-ce que vous savez que ce sont des humains qui travaillent dans ces banques? Est-ce que vous savez que la banque a tout aussi intérêt à ce que tu ne rembourses pas ton crédit? Vous le savez? Vous savez que la banque, tout comme l'usurier, a intérêt à ce que tu ne rembourses pas? C'est-à-dire, il n'a aucun intérêt à ce que tu rembourses. Ça veut dire que quand tu rembourses, en fait, tu ne lui rends pas service. Vous savez ça? Alors, tout le monde fait ça maintenant. Maintenant, même, tu n'as même pas besoin de prendre un prêt chez quelqu'un. Si quelqu'un veut te prendre ta bénédiction financière, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il te donne de l'argent. C'est-à-dire, moi, j'ai envie d'arracher les bénédictions financières de Diane, Cathy, je ne sais pas. Je lui fais un don d'argent. C'est ma copine, non? C'est ma copine. Je lui fais un don d'argent. Je prends un 20 000, j'appelle ma copine, que ma copine va se faire au dépannage. Quand tu touches cet argent, parce qu'il y a des agents qui sont travaillés, parce que vous ne savez pas. Dès que tu touches cet argent, tu commences à dégringoler. Généralement, on donne ce type d'argent aux commerçants. Généralement, c'est dans les marchés. Les commerçants qui se changent la monnaie là. Ne changez jamais la monnaie au marché. Ne changez jamais. C'est-à-dire que vous avez des gens, vous êtes dans une sorte de centre commercial ou bien dans un marché où vos boutiques sont peut-être voisines. Tu as tel vendeur de tel. Même si vous ne vendez pas la même chose, hein, attention, ça c'est des choses que vous ne connaissez pas. Mais c'est vrai que quand il veut parler, je retrouve les problèmes du monde sur Facebook. Mais je vais trop parler. C'est mon travail de parler. Je vais seulement te parler. Tu es comme ça dans ta boutique, ton voisin du couloir vient te voir pour te dire que, oh, ouais, il n'y a pas la monnaie de 5 000, il n'y a pas la monnaie de machin. La monnaie que, en fait, l'argent qu'il est venu te donner là, c'est un argent qui est à travailler. Pas tous. Tous ne font pas ça. La vidéo est floue, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs si la vidéo est floue, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs si la vidéo est floue. Envoyez des cœurs. Voilà, tu as ton voisin Tamo qui vient pour te demander la monnaie de 10 000 ou bien de 5 000. Hein? Vous êtes tous les deux commerçants, n'est-ce pas? Toi, tu vas prendre de l'argent de ta caisse pour lui donner. Et pourtant, l'argent que lui est venu te donner de changer, là, l'argent là est travaillé. Vous ne savez pas. Ça, c'est des cas que nous, on traite tous les jours que Dieu a créé. Mais vous êtes tellement... C'est pour ça que je vous dis tous les jours, développez votre spiritualité. Développez votre spiritualité. Développez votre spiritualité. C'est très important. Apprenez à côtoyer le spirituel. Parce que quand tu côtoies le spirituel, hein, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas. Chérie, que tu ne peux pas vivre parce que tu es avisé. Ne vivez pas comme les mondains. Parce que le monde ici n'est plus un monde normal. Rien n'est plus normal dans ce monde. Donc, ça sert à rien de continuer à vivre comme des humains à part entière. À un moment là, il faut avoir 4 E pour voir de l'autre côté. Je vous donne l'exemple qui est très simple. C'est-à-dire des cas que nous on traite tous les jours. Des commerçants qui ont chuté. On te vole tes clients comme ça, comme un jeu. Partagez le direct, hein. Partagez le direct. Partagez le direct. Si vous ne partagez pas le direct, je vais couper. Je vais couper et puis moi, je vais vaquer à mes occupations. J'ai affaire. J'ai affaire. Rose Solange, ce n'est pas une affaire de Cameroun. C'est une affaire du monde en ce moment. Le monde est totalement contrôlé. Le monde est totalement... Ce n'est pas une affaire de Cameroun. Parce que les choses qui se passent ici sont les choses qui se passent au Gabon, sont les choses qui se passent en Côte d'Ivoire, sont les choses qui se passent en France. Il y a des personnes qu'on a vendues ici. Là, on envoie travailler au Gabon. Il y a des personnes qu'on a vendues au Gabon, on les envoie travailler ici. Oui.
C'est universel. Ce n'est plus une histoire de pays ni de ville. Non. Ce n'est plus une histoire de pays ni de ville. C'est le monde entier qui est contrôlé, qui est gouverné par le diable. Alors, il n'y a qu'une toute petite minorité qui est encore sous l'emprise du Seigneur. Sinon, la grande majorité sert le diable. Mais vous ne le savez pas. Vous allez vous dire, non, ça va, je sors de chez moi, c'est mon voisin. Et puis, on ne vend même pas la même chose. Il vend les tuyaux, moi, je vends le, je sais pas, les marmites. On n'a pas les mêmes clients, donc pourquoi il va m'en vouloir? Ah bon? Est-ce que tu sais qu'on peut te voler tes clients même si tu ne fais pas la même activité avec quelqu'un? C'est-à-dire qu'ils te volent ton aura. Ils te volent ta bénédiction financière. Toi, tu avais ta boutique qui était toujours pleine. À un moment, là, c'est chez lui, tout le monde va. Je dis, même si vous ne faites pas la même activité, ça se passe à partir de l'argent. L'argent que vous voyez là. Je dis que si vous êtes des commerçants et que vous avez des marchés ou bien vous êtes, vous avez des boutiques, je veux dire, dans des marchés ou bien vous êtes frontalier à d'autres personnes, ne changez jamais l'argent de quelqu'un. J'ai envie de dire de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais comme on ne connaît jamais quelqu'un, parce que généralement le sorcier, hein, le sorcier c'est la personne qui te masse le dos, hein. Le sorcier c'est la personne qui t'embrasse tous les matins, hein. Le sorcier c'est la personne qui te dit je t'aime tous les jours, hein. C'est ça le sorcier, hein. Ton sorcier n'est pas la personne que quand tu passes te toises comme ça, non, c'est pas ton sorcier, hein. Ton sorcier doit toujours à intérêt être toujours proche de toi pour mieux t'anéantir, pour mieux te nuire. C'est ça le rôle du sorcier. Donc si tu attends la personne avec qui tu t'es chamaillé il y a 2 mois, si c'est celui que tu comptes pour être ton ennemi, tu perds ton temps. Ton ennemi, c'est celui même à qui tu dis bonjour tous les matins. C'est lui. C'est lui. Ne changez jamais l'argent au marché ou bien, je sais pas, dans les boutiques et tout. Ton voisin vient avec un argent pour changer. Tu lui dis que papa, je n'ai pas la monnaie. Mon père, je n'ai pas la monnaie. Il va venir une fois, deux fois, trois fois te tenter. Quand tu vas dire que tu n'as pas la monnaie, il ne va plus passer devant toi. Tu vas même constater à un moment qu'il commence à être distant. Quelqu'un qui te salue même à distance. Maintenant, quand il te voit, il a voit la voix au champ. Pour faire comme s'il ne t'a pas vu. Oui. Tatiana Olinga dit que maintenant, je comprends pourquoi ma voisine est chiche avec la monnaie. Oui, ma chérie, ta voisine, c'est une marcheuse. Ta voisine, c'est une marcheuse. Elle connaît le dehors. Ah oui. Le dehors, ce sont des choses qui se passent. Ah oui, je dis simplement comme ça. Et quand tu as touché ce genre d'argent qui t'était destiné, parce que de nos jours, on travaille l'argent jusqu'à laisser même les banques. Je dis voilà un simple cas pratique que je donne. Ça peut même être un gars, ça peut même être une amie qui est dans ces choses compliquées. Elle vient te voler ton aura comme ça, rien que parce qu'elle t'a donné l'argent. L'argent qu'on te donne. J'ai souvent dit dans mes directs précédents, pour ceux qui me suivent depuis l'ancienne page, je disais toujours, n'acceptez pas beaucoup l'argent en cash. L'argent en cash est très compliqué. Aujourd'hui, la monnaie, il y a la monnaie électronique, il y a les Orange, MTN et tout ça, monnaie. Privilégiez les paiements mobiles. Parce que le paiement mobile, voyez-vous, si quelqu'un t'envoie un argent qui n'est pas bon par Orange Money ou bien par MTN Mobile Money, est-ce que c'est l'argent là que tu vas toucher? La personne va t'envoyer ça peut-être à Bonaberry, dans un kiosque à Bonaberry. Est-ce que quand tu vas récupérer ça dans un kiosque à Bonamou, ça dit, est-ce que ce sont les mêmes billets? Non. On ne travaille pas l'argent avec la bouche, on travaille les billets de banque. Ce sont les billets, donc l'argent physique. C'est pour cela que généralement, même quand vous partez chez les usuriers, là, c'est le cash qui te donne. Il ne te fait pas l'argent, il ne t'envoie pas l'argent dans ton compte. Parce que normalement, les vrais usuriers, quand vous parlez, je connais des usuriers qui peuvent te prêter 50 millions. Hein. 50 millions cash, hein. Il n'a pas de... Il te compte comme ça, 1 million, 2, 3, 4, 5, 6, 50. Il ne te fera pas un virement. Hein. Et pourtant, il peut te faire un virement. Puisque c'est une activité, on parle quand même de 50 millions, c'est beaucoup de liquide. 50 millions, c'est beaucoup d'argent. Il peut te dire, donne-moi ton numéro de compte. Dès que vous finissez de faire tous vos papiers de gage et tout ça, je donne ceci en gage. Il te fait un papier. Tu donnes ton numéro de compte, il vient ça dans ton compte. Mais jamais un usurier n'acceptera ça. Jamais. Il va te donner l'argent là en cash. Parce que c'est un argent qui a été au préalablement travaillé pour que tu le reçois. Qu'est-ce qui peut généralement vous pousser à faire des prêts d'argent? Je ne comprends pas. Dites-moi un peu, hein. Peut-être que vous allez me dire non, c'est peut-être parce que je ne suis pas dans le besoin, que je parle comme ça. Mais je veux comprendre.
C'est pas parce que je suis pas dans le besoin. Moi, je suis pas la plus riche du monde, hein. Je suis même pas riche. Mais en tant que spirituelle, quand j'ai besoin d'argent, je sais ce qu'il faut faire. Je sais que j'ai un Dieu. Je sais que j'ai un Dieu qui est responsable de moi. Je sais que j'ai un Dieu que je sers, qui a dit lui-même. Lui-même, hein, pas moi. Lui-même, c'est lui-même qui a dit qu'il est que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Alors, si je sers un Dieu qui dit lui-même que l'or et l'argent lui appartiennent et qui dit encore que moi, je suis une héritière du trône, ça veut dire que l'or et l'argent, là, c'est aussi pour moi, non? Parce que l'argent de ton père et de ta mère, c'est ton argent. Est-ce que si tu as besoin d'argent, vous croyez que la fille de Samuel Eto'o peut avoir faim? Elle ne peut pas. Si elle a fait de mal à l'argent à son père, non? Son père va lui donner, non? Voilà. Alors, si toi, tu es l'enfant de Dieu et que tu respectes ses recommandations, tu vis en permanente, je vais dire quoi, cohésion avec lui. Il n'y a pas de raison que tu sois dans des problèmes financiers. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu sois dans des problèmes financiers. Tu as des problèmes financiers, tu mets tes genoux au sol, il y a des prières pour ça. Tu parles avec lui, tu lui dis, Seigneur, attends, tu rigoles. Tu rigoles là, tu rigoles bien, je ne sais pas, je délire. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent et moi je me retrouve dans un problème de 100 000, comment? Comment c'est possible? Comment c'est possible que moi, ton enfant, je me retrouve dans un problème de 100 000 alors que tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent? Seigneur, c'est normal? Non, je ne peux pas accepter ça. Je suis ton enfant. Tu vas me trouver les 100 000 là. Tu vas me trouver les 100 000 là, Seigneur. Je suis convaincue que tu peux me laisser dans mon problème. Et quand tu parles avec lui, tu dois être. C'est-à-dire, ça doit se faire avec une certaine foi. Une foi démesurée. C'est-à-dire, tu es sûr de toi. Une manière de défier, de le défier en fait. Le Seigneur aime ça. Il aime les défis. Oui, l'argent de ton père et ta mère, c'est ton argent. Oui. Parce que ton père et ta mère travaillent l'argent là pour toi. Il faut voir les riches dans les hôpitaux en train de payer des millions de francs pour faire des inséminations artificielles. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Je m'adresse à celui qui me demande que l'argent de ton père et ta mère, c'est ton argent. Oui, c'est ton argent. C'est ton argent parce que c'est pour toi qu'ils travaillent. Moi, je reçois des riches tous les jours dans mon inbox. Ivana, j'ai tel nombre d'immeubles. Ivana, j'ai tel. Je vis au Canada. Je vis aux États-Unis. Oh, machin. J'ai réussi. Je gagne tel machin de dollars par mois. Machin. Mais j'ai pas d'enfant. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle sait que ça sert à rien d'être épanouie financièrement si on n'a pas une progéniture. Donc, toi qui me demandes si l'argent du père et de la mère, c'est ton argent là, c'est ton argent. Parce que si ton père et ta mère avaient l'argent là sans t'avoir, ils ne seraient jamais heureux. Ils seraient toujours en train de chercher à t'avoir. Donc venez toi les questions du sous-quartier là ici. Je vais vous répondre. Donc je disais que quand tu pries comme ça, quand tu as fini de dire adieu comme ça là, tu te lèves, tu oublies même. Tu verras qu'il va faire un miracle. Les miracles que Dieu faisait avant, ça n'a pas changé, hein. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire qu'il est le même Dieu. Il n'a pas changé. C'est la même personne. Il est le même Dieu. Oui. Ça veut dire que les miracles qu'il a fait pour Sarah, il peut faire le même miracle en 2021 pour Ngonbassa. Il peut faire le même miracle en 2025 pour Diane Cathy Meno. Oui, il n'a pas changé. Donc, il n'y a pas de raison que tu te dises que, ah, ça, c'est des choses de la Bible d'avant là. Non, ça n'a pas changé, c'est pareil. Le problème, c'est que vous perdez votre foi au fil du temps. Et quand tu n'as pas la foi, quand tu n'as pas un Dieu, tu n'as pas de repère. Tu ne sers absolument à rien. Et tu es obligé de te laisser aller dans les tares de ce monde. Et c'est comme ça que le diable vous ramasse. C'est comme je vous dis tous les jours, un vrai malin ne doit pas être pauvre. Un vrai malin ne doit pas être pauvre. Il ne faut pas dans la pauvreté. Un vrai malin doit d'abord être bien beau. Pas vos malins laids que vous partez voir dans les chambrettes des quartiers là où là on vous lance les gorilles là. Un malin que pour entrer, tu baisses ta tête comme ça là avant de passer. Ce
sont les faux malhommes. Ça c'est qu'un malhomme qui va te laver et puis lui-même là, il n'a pas la prospérité. Lui, il va te laver par rapport à quoi? Tu vas aller voir un malhomme. Malhomme, oh, mes affaires ne donnent pas. Oh, mon business ne donne pas. Oh, mon commerce a chuté. Il va te dire que oui, viens faire le lavage de l'argent pour ouvrir les portes de ton business. En ce temps, lui-même, sa facture est néo, est collée sur la porte là-bas. Il n'a pas encore payé ça. L'échéance est déjà arrivée. Tu vas aller faire un lavage chez quelqu'un. C'est quelqu'un comme ça que tu comptes sur quoi? Tu vas aller faire un lavage chez quelqu'un comme ça que tu comptes sur quoi? Parce qu'à un moment, c'est vous-même qui cherchez vos problèmes. C'est vous-même qui cherchez vos problèmes. C'est vous-même. C'est-à-dire un malhomme, lui-même, il est là-bas, l'air comme ça. Toi, tu vas faire le rituel d'attirance chez lui. C'est-à-dire, toi, tu te dis non, les hommes ne te draguent pas. Oh, tu passes, tu es invisible, tu passes inaperçu. Oh, 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 tu n'as même pas les dragueurs. Tu passes chez un malhomme pour qu'il te fasse le lavage de l'attirance. En ce temps, lui-même, il est laid. C'est-à-dire, lui-même. J'évite de prononcer le mot parce que Pazouk me surveille trop ces derniers temps. Donc, lui, il avait le lavage d'attirance et puis lui-même, là, il n'a aucune attirance physique. C'est-à-dire, lui-même, là, il n'a aucun atout physique. Et puis lui, il va te faire le lavage de l'attirance pour que toi, tu aies des atouts physiques. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Jusqu'à les gens quittent l'Europe. Je vois les gens quitter l'Europe, l'Amérique, tout ça. Les gens quittent Mbeng pour venir faire les lavages ici dans les sous-quartiers. Vous réfléchissez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment tu peux quitter la France, la Belgique, le Canada? Tu viens faire le lavage quelque part à Ngomakoubi ou bien le lavage quelque part à Mabanda. Le marabout qui te reçoit là, tu ne penses pas que lui-même, s'il avait la possibilité de faire voyager son enfant même là où tu es là-bas, c'est qu'il sera encore à Mabanda. Non! Le premier critère d'un marabout, d'un vrai marabout, c'est qu'il doit d'abord lui-même être prêt financièrement, il doit d'abord être riche. Il doit refléter ce qu'il te propose et ce qu'il te donne. Oui! Oui, moi je peux me lever fièrement et pas les financiers parce que moi-même, chef d'entreprise, j'ai combien d'entreprises, j'ai combien de produits sur le marché et mes produits se vendent comme des petits pains. J'allais moi-même, je suis d'abord l'image ou alors un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat. Donc, je peux me lever, je propose un projet à quelqu'un que utiliser ça, ça va t'ouvrir les portes. Oui, je peux me permettre. Par exemple, moi, je vends le jansang. Je peux me lever, je te propose mon jansang. Parce que quand tu me regardes là, mon teint là, tu vois que ça déjà. Je peux me lever, je parle de mes gélules blanchies, les gélules les plus blanchissantes du monde. Les seules gélules que quand tu bois, le lendemain, tu as blanchi. Ça, les gélules blanchies. Je peux me lever, je parle de ça jusqu'à ce que je vende ça. On me croit parce qu'on voit mon teint. On voit mon teint. Hein? On voit, j'ai pas de machin. J'ai une peau qui est mangeable. Hein? D'abord, même, je parle des gélules comme ça. Je n'ai pas encore pris pour aujourd'hui. Je prends mes gélules devant vous. Voilà ça. Hein? C'est trop bon. Attends. Moi, je prends 2 gélules par jour. Vous avez vu? Ce sont mes gélules blanchies vives. Voilà ça. Je peux me lever, je vends ça. Je peux me lever, je vends mes gélules. Vous avez venu acheter parce que vous avez vu le résultat des gélules sur moi. Oui! Quand je vois les gens venir m'écrire, Ivana, la consultation, c'est. Comment se passe la consultation chez toi? Parce que beaucoup se disent que je suis voyante. Moi, je ne suis pas voyante. Je ne fais pas les choses pareilles. En spiritualité, vous devez savoir que. Ah, la boîte de gélules, c'est 30 000. Oui, je peux me lever et parler de mon jansang parce que je reflète mon jansang. Oui. Quand il finit de boire mes gélules, comme ça, le soir, qu'elle va rentrer, qu'elle va enlever mes habits, je me lave. Voilà le lait que je mets sur moi. Blanche injection, c'est le nom. Blanche injection. J'utilise la gamme complète blanche injection. Voilà mes produits. Voilà mes produits. Que je parle comme ça, là, tu me crois parce que tu vois ça sur moi.
Oui. Les gelées là font blanchir même le groupe sanguin. Donc si tu étais A négatif, quand tu vois ça, tu deviens donneur universel. Oui. Ce n'est pas que tu quittes la France, tu viens faire le lavage ici là, à je sais pas, Bonaberry. Non, va ça là-bas. Oui. Une vraie malade ne doit pas refléter la souffrance. Je vous dis, voilà les premiers. C'est comme ça que vous faites avoir en fait. Tu vas te dire que non. Oh, vraiment, fais-moi la voyance. Qui vous a dit que celui qui voit soigne? Qui vous a dit ça? Sachez qu'en matière de spiritualité, hein, chacun a sa branche. Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui traitent. Et jamais celui qui ne voit ne traite. Si je mens, venez écrire ici en commentaire. Je dis que si je mens, venez écrire ça en commentaire. Vous êtes nombreux là, vous avez fait les lavages. Lavage au pépé. Lavage à la citronnelle mentholée. Lavage au roi des herbes épicées. Lavage, il a fait tout genre de lavage. Ça n'a jamais marché. Parce que vous partez chez les malames que il lance les courries. Comment t'as dit que oh, ta tante qui a la perruque comme ça là. Ta tante qui a la perruque noire. Maman, qui n'a pas une tante ici là dehors qui a la perruque noire? Oh, ton oncle qui a le gros ventre là. Quel oncle africain? Qui n'a pas un oncle africain ici là qui a le gros ventre? Parce que vous aimez souvent partir chez les arnaqueurs. Il va te dire que ta cousine qui a accouché là. Maman, on a toujours une cousine qui a bonne. On a toujours une cousine qui a accouché. C'est ça que vous aimez entendre. Quand il finit de te dire comme ça, ton oncle noir qui a le gros ventre là, oui, c'est lui qui est responsable de tes malheurs. Oko! Oko! On peut faire ça. Après, tu peux accuser oncle Atangana au quartier ou bien oncle Abina au quartier alors que lui, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est que c'est ton faux malhomme qui a dit qu'il va jouer sur ta psychologie. C'est comme ça que les gars s'enrichissent là-dehors. Ou alors vous partez voir les gens qui apprennent la science occulte. Vous connaissez la science occulte? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui apprennent la science occulte juste pour arnaquer les gens? Les potentiels clients que vous êtes. Vous savez ça? Ça dit que tu entres dans un endroit d'une jeke. Il te fait une formule magique là. Mais ça dit que il prend peut-être, il te dit écris une lettre. Ça, je vais vous expliquer comment les gars font dehors. Parce que comme vous êtes limité, c'est comme ça que vous tombez dans les pièces et vous passez le temps à dépenser de l'argent. Vous enrichissez même certains dehors. Il te donne, oui, je vais finir avec. Il te donne un canari ou bien, je sais pas, une assiette. Il te dit que écris la lettre de tes problèmes, de ce que tu es venu. Il ne te parle pas. Il te dit que ne me dis pas tes problèmes, oh. Ce n'est pas moi qui vais lire tes problèmes. Tu vas envoyer tes problèmes aux personnes qui vont lire ça, c'est-à-dire mes chefs spirituels. Il te dit d'écrire sur le papier, tu finis d'écrire sur le papier, tu mets dans la scène, tu es assise là. Il te regarde. Après, il ferme l'assiette. Donc, il prend toujours un truc qui a le couvert. Il ferme. Après, vous restez là. 2 minutes après, il te dit ouvre, tu regardes si c'est déjà parti en Inde. Tu ouvres, tu ne vois plus la lettre dedans. Personne n'a touché. Effectivement, la lettre a disparu. Mais c'est de la science occulte. Ce n'est allé nulle part. La lettre n'allait pas arriver en Inde. La lettre n'allait pas. C'est que il est resté comme ça. Il a payé sa formation. Il est parti se former. Ça s'appelle de la science occulte. Ce n'est pas de l'occultisme. C'est différent de l'occultisme. La science occulte, ça dit que c'est quelque chose qui ressemble à l'occultisme, qui est là pour reproduire l'occultisme, mais en fait, ce n'est même pas de l'occultisme. Dès que tu vas ouvrir la scène, là, tu vas voir que ta lettre a disparu. Tu vas dire que, yeah, je suis en face de Jésus aujourd'hui. Ma lettre a disparu devant moi. Tu vas croire que c'est là-bas qu'il y a la solution, alors que non, c'est un magicien. Quelqu'un, il te dit que non, la lettre est partie en Inde, en tombe 20 minutes. Dans le temps que les chefs supérieurs là-bas répondent, comme ça, ils vont te dire ce qu'il faut. Entre temps, 30 minutes après, vous êtes assis. Hein? Je dis que personne ne touche l'assiette. Donc, pour dire que c'est peut-être un enfant qui est venu enlever personne, c'est que ça disparaît vraiment et ça réapparaît vraiment.
30 minutes après, il te dit que viens un peu ouvrir. Viens un peu ouvrir l'assiette pour voir si, les grands maîtres ont déjà répondu. Dès que tu veux ouvrir l'assiette, tu vois un nouveau papier dedans. Ou bien tu vois ta même lettre, ou bien un nouveau papier, ça dépend. Chacun connaît là où il a accroché son sac. Dès que tu ouvres le papier là, on a écrit sur ça ce que tu dois utiliser, ce que tu dois faire pour ton traitement. Dès que tu ouvres, tu vois par exemple que tu dois faire tel traitement. Ton traitement doit coûter 400 000, 400, 2500. Voilà, les esprits disent que tu dois payer 420 500 francs, 655 357 francs. Maman, on trouvait 7 francs comment? Et quand tu vois comme ça, tu es persuadé que la lettre là vient même de l'ange Gabriel une fois parce que ça a disparu devant toi, ça a réapparu devant toi. Donc, c'est impossible que ce soit le faux alors que c'est le faux. C'est le genre que vous aimez les démonstrations, vous aimez le folklore. Moi j'appelle même ça le folklore, c'est même pas une démonstration parce que seul le frère a fait les démonstrations. Ça s'appelle le folklore et les gars apprennent ça tous les jours que Dieu a créé. Les gens apprennent la science occulte comme ça. Je dis que moi-même, si elle veut faire la science occulte, si elle voulait, je connais là où on fait, je me lève, je tape mon direct comme ça là, je sais que vous êtes 2000 à regarder. Je disparais devant le direct. Je vous dis que attendez, Dieu m'appelle. Ou bien mon téléphone, je ferme mon téléphone sonne. Je décroche. Je dis, ok, oui Seigneur, j'arrive. Pam, je disparais devant le direct. Vous êtes là. Vous voyez seulement que la chaise. Moi, je ne suis plus là. Vous voyez seulement que la chaise. Après 20 minutes, je réapparais devant le direct. Je vous dis maintenant ce que le Seigneur a dit. Je commence à dire, toi Ruth, le Seigneur a dit que tu dois donner 200 000 pour faire tel beurre, sinon tu vas mourir. Toi, quoi Christelle? Parce que quand vous partez souvent chez les femmes, vous ne devez pas entendre le mot mort. Et ils aiment toujours vous parler de la mort parce qu'ils savent que dès qu'on te parle de la mort, même si c'est pour aller prêter l'argent, tu vas aller prêter. Tu vas aller prêter l'argent. Je viens et commence à dire, Jenna, oh Jenna. Ah, toi là, je vois le poison. Jenna, oh, je vois le poison, ma chérie, il faut faire attention. Larissa Maze, maman, toi là, alors, oh, le Seigneur m'a dit qu'il va te rappeler dans quelques jours, si tu ne fais rien. Quand vous m'avez vu disparaître et réapparaître, pour vous, c'est que c'est la preuve essentielle que non, c'est chez moi qu'il y a le bon réseau. C'est comme ça que j'ai fini de manger vos argent. Je m'en ai enrichi alors que je n'ai rien fait. J'ai seulement appris quelques formules magiques. Comment faire pour disparaître? C'est tout. Et c'est comme ça que les gars s'enrichissent dehors. Vous qui aimez les gens qui font la voyance là. Vous qui aimez les gens qui font les machins, les injecteurs, que quand tu pars, on te tape one démonstration pour que tu dises yes. Après, tu appelles même ta copine que maman, je t'ai dit yes. C'est même pas lui qui demande l'argent. Tu mets ton papier, ça part qu'en Inde. Ça revient de l'Inde avec le montant, tout ça. Ta copine te dit que, yeah, maman, tu as déjà là qu'elle cherchait depuis. C'est comme ça qu'on vous escroque, c'est comme ça qu'on vous arnaque. Et c'est ce qui se passe généralement, même dans les églises. Beaucoup de pasteurs font la science occulte comme ça là. Je sais qu'elle parle comme ça, vous allez mettre les organes. Mais, acceptez seulement, c'est la vérité. Beaucoup de pasteurs font la science occulte. Ils ont un pouvoir qu'on leur donne quand ils font la science occulte là. Dès qu'ils se présentent comme ça là dans son assemblée, ils font seulement comme ça. Ah! Maman, les gens tombent. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit alors que non. Il est entré avec un pouvoir qu'on lui a donné. Que le truc là, c'est peut-être un hypnotiseur. C'est les trucs que vous ne pouvez pas comprendre parce que ça dit que vous êtes encore trop limité. Il y a des pasteurs qui ne te touchent pas, tu es tombé. Vous appelez ça quoi? Quand ça touche les esprits faibles. Oui, surtout quand ça touche les esprits faibles. Parce qu'ils savent que. Ils ont compris que quand les gens aiment là où on tombe. Une église où les gens ne tombent pas, vous voyez qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Or, Dieu aime le tomber. Donc, lui, il pas chiché, ça n'a pas le pouvoir que dès qu'il va faire comme ça, feu! Maman, toute l'église est au sol, sauf le caméraman généralement. Toute l'église au sol. Il n'y a que lui-même que le pouvoir là, ne prend pas. Et son caméraman et son traducteur. S'il est anglais, il faut passer la main. Maintenant, la mode, c'est que les églises ne parlent qu'en anglais. Où sa femme? Voilà. Sinon, toute l'assemblée est à terre. Dès qu'on voit comme ça, oh ma copine, j'ai mon pasteur là-bas en deux passes. Maman et ma copine.
ma copine, le type là, il a l'onction. Il a l'onction, ma copine. Ah, ma copine, il est très fort. Maman, dès que le type là, dès qu'il prend seulement le micro comme ça là, il ne te touche même pas. Dès qu'il dit seulement fire, maman, tout le monde est au sol, ma copine. Non, ma copine, celui-là, il a le WhatsApp de Jésus. Le pasteur là est fort. Maman, il n'est rien fort. C'est qu'il a appris la science au tout. Mais ce n'est pas le fire de Jésus. Et ce n'est pas le fire de Jésus. C'est ce que je dis. Ce n'est pas le fire de Jésus. Ouais, dans où? Oui, du coup. Hein? Ouais, du coup, écris non, écris non. Ouais, je suis en direct, écris. Oui, c'est ça que vous aimez. Après, tu vois, les gens tombent. Wow! Vous aimez le. C'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez. Une riche bouffe, c'est la vérité qui va me tuer sur dans Facebook, si mon père. Oui. Est-ce que vous savez que moi, madame, je ne sais pas qui m'a fait parler à un pasteur il y a 2 semaines. J'avais un petit mal de tête. Qui m'a fait parler à un pasteur? La personne voulait me présenter même au pasteur simplement, hein, que je te présente tel pasteur. Parce que généralement, moi, je suis l'amie des pasteurs, des prêtres et tout ça. Parce qu'il y a des prêtres qui travaillent avec mes produits spirituels pour peut-être faire des délivrances et tout ça. Là, je vous ai expliqué ça. Voilà. Oui, même pas seulement les conseils. Moi, j'ai des prêtres qui prennent mes produits. Mes kits, des blocages, machin, pour faire des bains. Parce que vous savez que les prêtres aussi font les bains, non, des blocages et tout ça là. Donc comme eux, mes kits à moi sont très forts, bon, vous savez aussi qu'il y a des bonbons prêtres. Donc eux, ils prennent les kits pour... Donc généralement, il y a des personnes qui me présentent beaucoup à des hommes de Dieu, voilà. Donc lui, quand il me parle, il veut me faire genre, il veut me faire le fait, il me dit que... Il me voit même là avec la vie du mort sur moi, que... Ne sachant pas qui je suis. Donc lui, c'est lui qui est en train de parler à une jeune fille qui a un petit dos là, donc il peut me gratter. Il me dit que ma fille, le Saint-Esprit me révèle que... Ah, après il commence à faire... Ah, il me dit que le Saint-Esprit est là en train de se connecter à son cerveau pour me parler. Ah, mon fils. J'écoute, c'est ton téléphone. Hein. Parce que la personne qui lui a demandé mon numéro lui a dit que, lui a certainement dit que j'ai les dos. Donc je suis. Dès qu'il me dit oui, il me dit ça. Non, je dis non, ça va, je me sens juste pas bien. Parce que j'ai les. Parce que j'étais un peu malade ces derniers jours. Je me sens pas bien et tout. Il me dit oui, c'est même justement de ça que je voulais te parler, ma fille. Parce que je vois un esprit. Un esprit de mort. Je te vois couché dans un cercueil avec un habit. Je te vois couché dans un cercueil avec un habit. Après, il cale. Après, il dit, attends. Ma fille, connecte-toi maintenant à la... Connecte-toi maintenant. Mais connecte-toi maintenant à la prière que je vais te faire. Ma fille, tu es couchée ou tu es assise? Je lui dis que je suis assise. Je suis couchée, mon père. Il me dit, assieds-toi. Ah, shake. Eh non, non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ah, c'était comme ça, j'ai le téléphone, je suis dépassée. J'ai envie de me présenter. J'ai un cœur me dit que non. Laisse finir son cinéma. Ouais, j'écoute. Je vais si on parle, je dépose. Je suis comme ça devant le téléphone. Quand il est en train de faire ce walk around, shake. Mon téléphone est comme ça. Ouais, après il fait. Donc ça dit qu'il est en connexion. Il me demande de me connecter à la connexion là. Non, vous êtes fort. Vous êtes fort. Je dis que tu es comme ça, tu es faible d'esprit. Tu vas aller enlever tout ton argent dans la banque pour donner au pasteur. Que pasteur, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Parce que qui veut mourir? Ils savent ça.
Ils savent ça que dès qu'ils prononcent comme mort, ah, je vois, il y a un esprit de mort. Il y a un esprit de mort. Dès qu'ils prononcent ça comme ça, même si tu avais la dette, même si tu as le terrain quelque part, tu vas aller vendre. Que pasteur, ne veux pas moi mourir, maman, à cause des biens de ce monde. Sauve-moi. Oui, là, il y a ça. Pendant qu'ils sont déperdés, une branche, il y a le vent, ça tombe sur la toile. Elle te dit, il y a un quelque chose qui vient de tomber sur la toiture. Imagine si vraiment, c'est le vraiment. Que oui, c'est l'esprit qui est descendu. C'est l'esprit qui est descendu, c'est ça. Quand quelque chose vient de tomber sur la torture. Elle tu n'as rien envoyé. Il va te dire que non. Parce que quand il a fini de prier, il me demande que justement, un bon féman. Il me demande que comment tu te sens. J'invente aussi, je lui dis, pasteur, je me sens un peu légère. Il me dit, oh, c'est que. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu te sens léger parce que je viens de te déshabiller. Je viens de t'enlever l'habit du cadavre que tu avais sur toi dans ton cercueil. Tu te sens léger parce que je viens de te déshabiller. Je regarde mon téléphone comme ça là. J'étais à moins un de lui dire que... imbécile. C'est comme ça qu'on vous tient dans le fait. C'est comme ça qu'on vous tient dans le fait dehors. Parce que vous aimez entendre que vous voulez qu'on vous fasse la vision. C'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui. J'ai compris que... Et un pasteur de renom, hein, il ne peut pas seulement prononcer son nom. Un pasteur de renommée. C'est-à-dire que lui-là, il a le nom. Il est très, très... Il est très connu. Et puis son église est très fréquentée à Yaoundé. Un grand pasteur. C'est disait que je te montre sa photo. C'est-à-dire un grand pasteur qui a des fidèles comme ça. Imaginez un peu. Après, vous les voyez là dans les prados, dans les grosses voitures. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui les enrichit. Non, c'est vous qui les enrichissez. Parce que vous êtes incrédule. Parce que vous êtes bête. Oui. Maintenant, quand toi tu viens chez moi, madame, je te dis que ma chérie, pose-moi ton problème. Je te dis ce qu'il faut. Tu estimes que non. C'est quelle madame chez qui on doit poser le problème. Normalement, madame, tu dois deviner mes problèmes. Tu dois... C'est ça que vous aimez. Là où vous partez, qu'on devine là. On vous a déjà soigné là-bas un jour. Là où vous êtes parti, on a deviné vos problèmes là. Est-ce qu'on vous avait soigné là-bas? Parce que tout simplement, celui qui voit ne traite pas. En matière de spiritualité, celui qui voit ne traite pas. Mais moi, je traite. Moi, je traite. C'est pas les mon. J'ai les gens aux États-Unis, Portugal, partout dans le monde, Australie. Quand ils se réveillent le matin, premier des choses, ils m'appellent chef d'État. Malam, envoie-moi tes ondes aujourd'hui là. Parce que hier j'ai envoyé ça à marcher. Ou bien malam, aujourd'hui, voilà, je compte faire ta. Je fais comment? Oui. C'est-à-dire des personnes que je suis à la lettre, à la loupe. À la loupe. Oui. Je dis que prenons l'exemple, même nous-mêmes, vous qui êtes connectés là. Généralement, dites-moi, qui est allé faire la vision quelque part et la personne vous a soigné? Personne. Personne ne. Je dis que celui qui, en matière, on ne peut pas faire deux branches à la fois. C'est comme si tu dis que tu es à la fois scientifique, à la fois littéraire. En matière de spirituel, c'est comme ça. En matière de spirituel, c'est comme ça. Soit tu vois et tu ne traites pas, soit tu traites et tu ne vois pas. Par contre, celui qui traite généralement reçoit des informations, comme moi. Ceux qui ont déjà eu la chance d'être reçus par moi quand je recevais encore. Pendant que tu es en train de me poser ton problème, je peux recevoir des informations sur toi et je te dis, cache, que là où tu es placé là, tu as telle personne, tu as tel problème. Mais quand tu as commencé à parler... Ou alors le fait que tu sois en face de moi, ça peut arriver. Mais dis que je vais m'asseoir là, commencer à lire ta vie. Ngang. Mais quand vous venez, on vous dit que posez votre problème. Vous êtes généralement sceptique. Vous aimez là, on fait la science occulte. Je dis que moi, celui qui veut m'apprendre la science occulte, viens me voir à mon IB. Je vais t'orienter. Je connais là où on fait tout ça. Mais la science occulte, ce n'est pas de l'occultisme. C'est juste, c'est comme on dit le feu d'artifice. C'est-à-dire un truc qui est manœuvré là pour faire comme si c'est le feu. Alors que non. C'est comme ça. Mais vous ne comprenez pas.
Donc, je reviens sur le sujet de l'argent. J'étais en train de dire que ne changez jamais l'argent. Si vous êtes des commerçants, on vient te donner la monnaie une fois, deux fois, trois fois. Maman dit que tu n'as pas. La personne qui t'a demandé, ça ne va plus venir. La personne va comprendre que tu n'es pas une personne qu'on peut essayer. Tu n'es pas une personne qu'on peut tenter. La personne va t'éviter simplement. C'est qui? Il est connecté. Non. La personne va comprendre que elle ne doit plus te tenter. Je dis que même les hommes, Mara, tu viens de rencontrer un homme, il est bizarre, il est. Fais seulement qu'il te donne ton argent pour Orange Money. Orange Money, MTN Mobile Money, oui. Les agents que vous prenez en cash, très dangereux. Très dangereux. On peut te détruire, on te gâte. Rien qu'avec l'argent, les billets de banque qu'on t'a donné là, on finit avec toi. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Oui. Il y a des commerçants qui sont avisés là-dehors. Tu arrives même sur sa table, tu vois la monnaie, tu lui demandes, il te dit qu'il n'a pas. Alors que tu as que le voir, il te dit qu'il n'a pas. Tu casses même le modèle, tu lui dis que 2-5 000 seulement, même 2-5 000, il te dit que ngang. Il te dit que ngang. Et les commerçants, généralement, les commerçants qui sont avisés sont travaillés. Parce que quel que soit lambda, tu ne peux pas dire que tu vas éviter le cash. Tu vas tout toucher le cash à un moment. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toi-même, tu dois avoir été préparé spirituellement. Que si quelqu'un te donne un agent qui n'est pas bien, que dès que ça touche ta main, ça devient bien. Il y a des travaux spécifiques pour ça. Il y a des travaux spécifiques pour ça. On te touche comme ça là. Dès que tu touches l'argent là, dans tes mains, ça redevient les billets de banque de Marine Gombert. Tout ce qu'on a fait sur ça avant là, ça retourne chez la personne. Ou bien la personne qui veut même te donner ça. Parce que la personne a le renseignement spirituellement parlant, la personne ne te donne plus. Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas éviter le cash. La majorité des commerçants comme ça ont des choses, ont des icônes. Parce qu'ils sont là pour percevoir l'argent des clients. Parce que même un client peut venir te donner un mauvais argent. Hein. Même un client peut venir acheter ta chose avec un mauvais argent. Oui. L'argent là, ça rafle tout dans ta caisse. Tu commences à rester, tu es le genre de personne que tu commences à perdre les dos. Tu as peut-être mis un 100 000 ici là, tu reviens trouver 80 000 alors que tu vis seul. Chaque temps, tu perds les petits dos à cause d'un seul billet de banque que tu as mélangé à ton argent. Ça commence à voler. Tu commences à travailler une partie de ton savoir pas chez quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Quand tu vas parler, on m'a dit que oh, je fais la promotion de la sorcellerie, alors que c'est vous qui subissez, ce n'est même pas moi. C'est vous qui subissez. C'est mon Dieu. C'est vous qui subissez. Oui, Emilie, Ariane, l'argent disparaît tout seul. Je dis que vous allez me dire que non, on a volé. Non, on n'a pas volé. Même la femme dit, elle, on n'a pas volé l'argent, on ne vole pas. Tu es seule dans la maison, l'argent disparaît. Chaque temps. Chaque temps, l'argent disparaît. Oui, c'est ce qui se passe en fait. Oui, il faut faire très attention. Très attention. C'est comme les affaires de sacrifice dont on parlait, je ne sais pas dans quel anonyme parlait là. Il y a des sacrifices. Il y a des gens qu'on ne peut jamais sacrifier parce qu'ils sont travaillés, ils sont blindés. Faites les bandes, faites des rituels de protection. Il y a des rituels de protection pour ça. Faites ça généralement avec toute votre famille. Que quand tu meurs, vous mourrez de votre propre mort. Il y a des bains pour ça. Baisse un peu, ça dérange ici. Oui. J'ai dit qu'il y a des rituels hein, que tu fais sur toi. Des blindages et tout. Que tu fais sur toi. Dès qu'on demande ton nom là-bas, on te dit que non, la fille ne peut pas travailler. Donc là-bas chez eux, c'est comme si tu as le même coupé. Tu ne peux pas avoir. Donc on ne peut pas te sacrifier. On ne peut pas te prendre. On ne peut pas te prendre. Et quand tu es même spirituel ou bien quand tu as développé ta spiritualité, tu apprends même à reconnaître les sacrifiants. Moi, je reconnais les sacrifiants. Je ne peux pas les sacrifier et te dire que ça, c'est quelqu'un qu'on a vendu. Qui ne peut pas seulement savoir où, quand, comment. Et je sais que lui, c'est un mort vivant. Oui. Moi, je suis capable. Moi, je suis capable.
Ça dit que je marche en route là, je marche avec toi, je marche avec Aurélie, déjà Aurélie, que telle personne que tu vois là-bas, il ne vit plus, telle personne il ne vit plus, oui. Oui, c'est très important. Mais quand on va parler, vous avez dit que vous faites la promotion de la sorcellerie, alors que ça n'a rien. Même dans la voiture, quand on passe, est-ce qu'on sent le beurre pour moi? Oui, même dans la voiture. Passe, excusez-moi, je suis avec mon maître spirituel. Je suis avec mon maître spirituel, c'est lui qui parle depuis là. Même dans la voiture, justement, il nous arrive le sentir. Quand on est passé dans la voiture, on sent l'odeur du mort. Moi, j'aime ça. On sent ça. C'est que toi, celui-ci est mort. Tu ne traites pas avec lui. Oui. Oui. La vie, c'est parce que vous voyez où. C'est pas les voitures, les pizzas, tout ça. La vie, c'est pas la pizza, hein. Non, 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 non. Merci pour les partages. Oui. Tu as des problèmes d'argent, ton argent disparaît. Il faut venir dans mon eBay. Si tu as des problèmes d'argent qui disparaît, il faut venir dans mon eBay. C'est ça. Est-ce que vous savez que de nos jours, on lance même. On s'est dit que. La société est tellement développée qu'on lance tout. Même le cancer que vous voyez là, même le sida que vous voyez là, un milliard de spirituel. Vous savez ça? Et c'est l'argent qu'on ne va pas te faire disparaître. Tout est possible. Tout. Tout est possible. Bonsoir, grand maître spirituel. Oui, il y a les Thomas. Moi, j'aime les Thomas parce que généralement, les anonymes que vous voyez là, c'était les Thomas. Hein. Comme la femme d'hier là, qui a fini tout son âge dans l'usure, qui a fini son terrain, c'est bien dans l'usure là. C'était une Thomas. C'est la femme là m'a contacté. Je lui ai dit que voilà, tu as touché un enfant qui n'était pas bien. Je lui ai dit ça. Elle a cru que une madame ne peut pas. Une femme qui est trop belle comme moi, ça ne peut pas être une vraie madame. Aka, elle me raconte justement sa vie. N'est-ce pas, elle est partie. Ça a cuit, non? Quand ça cuit comme ça, là, elle vient me servir que mange, non. Je mange aussi avec vous, non, en postant. Quand tu es Thomas sur la terre, tu ne peux rien faire. On va tout te piéger. Parce que là où tu crois que le diable ne peut pas arriver, c'est même là-bas où il dort avec tous ses organes. Les gars débloquent les niveaux, oui. Les gars débloquent les niveaux tous les jours. Parfois, tu n'as même pas de boutique, hein. Tu as peut-être une boutique en ligne, tu banques en ligne. Quand quelqu'un d'autre fait la publication, tu vois les commentaires. Dès que toi tu veux faire ta part de publication, maman, c'est à peine si tu vois un seul like. À peine si tu vois un seul like. On va parler, vous avez dit que. Je vais présenter d'abord un truc là. C'est pour les femmes. Hein. Vraiment, les hommes sortaient d'abord, c'est pour les femmes. Parce que vous savez que moi, je suis spécialiste. De la domination de la femme, hein? pas le commandement, mais la domination, parce que je suis de ceux qui pensent que la femme doit avoir tout ce qu'elle veut, l'homme doit chérir sa femme. Il y a des foyers, je vais vous présenter mon kit collé serré. Il y a un kit collé serré qui est constitué de 3 produits. Le premier produit, c'est un produit, un liquide, une crème que quand tu prends. Tu tournes comme ça là avec ton doigt. Tu mets la bague dedans. La bague où? Dedans. Quand tu sais que tu vas faire. Quand tu sais que tu vas taper la canne. Quand tu sais que tu vas jouer la canne le soir avec ton père. Ça, c'est le secret de femme. Hein? Je dis que le kit là s'appelle le kit collé serré. Collé serré. Parce que vous allez prononcer mon nom dans les universités que je ne suis pas un exemple pour les jeunes. Le kit collé serré. C'est pour Chanel. Chanel me racontait l'autre jour qu'ils étaient en conférence au ministère de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas trop quelle conférence ils faisaient. C'est une dame qui a pris la parole. Un des encadreurs qui a pris la parole. Elle parlait aux jeunes étudiants. Après, elle dit ne soyez pas comme la jeune dame qui s'appelle Ivana, chef d'État. Mais, je dis, donne-moi les juste élèves comme ça et puis on parle de moi dans le ministère. Jean Einstein spirituel. On peut faire ça.
Peut-être quand elle a dit ça, tous les étudiants ont commencé à crier, c'était Yom, que mais une mère comme ça. Oui, j'étais dépassée. J'étais dépassée. Ne soyez pas comme, ne soyez pas des jeunes qui aiment la facilité, comme les Ivana chef d'État. Maman, tous les étudiants ont commencé à crier que la mère, tu connais la poule. Voilà, elle dit donc, elle dit ça parce que, elle dit que les jeunes comme Ivana chef d'État qui vendent les kits domination aux jeunes. Donc, pour elle, elle se dit que mon kit domination, c'est un kit pour la facilité, alors que je n'ai jamais dit ça ici. Mon kit domination n'a jamais été pour la facilité. La mère a même fait la pub auprès des étudiants sans savoir. En voulant prononcer mon nom pour dire que je ne suis pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. Les jeunes cassaves. C'est Chanel qui m'a raconté ça l'autre jour. Lui-même, il ne pouvait même pas parler, il ne pouvait même pas dire. Il était dépassé. Il était dépassé. Oui! Que le kit de domination, c'est un kit de la facilité qui a dit. Donc, quand un homme est chiche et qu'on utilise un kit pour qu'il nous donne l'argent, ça devient la facilité à quel niveau? Maintenant, je vais vous présenter dans mon kit collé serré, Rora. Parce que quand je sors là les innovations, on ne parle pas. Quand je parle d'une jacket, c'est là où vous me connaissez bien. Attendez. Je ne sais pas si je dois vous montrer ça ici parce qu'il y a trop d'arnaqueurs. Bref, il y a un liquide. Je vais directement mettre le liquide sur ma main. Il y a un liquide qui est gluant comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez comment c'est gluant. Non? Ça fait comme quoi? Ça fait comme quoi? Je n'ai pas dit que c'est ça. Ça fait comme... Ça fait comme quoi? Quand il fait comme ça. Ça là, quand tu sais que ton chéri doit rentrer à 22h, tu mets ça même vers 15h. Même vers 15h, 16h, tu prends comme ça sur ton doigt et tu mets là-bas dedans. En parlant, hein? En parlant, tu mets. Enfin, tu mets d'abord ton niasmoi, bien évidemment. Le niasmoi, c'est avant. Maintenant, quand tu sais que la niasse se rapproche un peu, tu mets dedans en parlant que toi, tel. Oh, c'est toi qui sais ce que tu attends de ton gars. Peut-être ton gars est devenu distant, peut-être ton gars commence à voir ailleurs, peut-être ton chéri, peut-être ton chéri, peut-être ton chéri, c'est toi qui sais. Quelqu'un dit que comme le gombo. Comme la sauce gombo, ma chérie. Donc, tu mets ça. Tu sais que ton beau-père, lui, va rentrer à 20h ou bien à 22h. Le temps de dîner, vous laver, tout ça. Et maintenant, jouez la canne. Tu mets ça là-bas en parlant, hein? Maintenant, quand tu finis de parler comme ça là, avant que lui n'arrive, donc quand toi tu mets, il y a la poudre là, un peu comme ça là, un peu seulement, tu peux mettre dans le repas en parlant. Tu lui dis que, tu dis que, ouais, mon chéri, si toi, depuis 7 ans que nous sommes ensemble, oh, j'ai à constater que tu commences à voir dehors. S'il y a une fille qui a été invitée là-bas dehors, pardon, reviens à la maison. Rentre à la maison. Tu dois tout me dire. Tu dois tout faire. Maman, tu parles, c'est toi qui connais les intentions que tu. C'est toi qui sais ce que tu attends de ton gars, de ton chéri. Tu mets un peu comme ça là. Quand il mange, tu parles, tu fais tes intentions. Maintenant, il y a l'autre, l'encens. Je sais que les hommes vont bien m'insulter, mais m'en fous. Il y a l'encens. Il y a l'encens. L'encens, là, c'est la poudre aussi. Tu prends le charbon. Tu poses comme ça au sol. Tu prends un peu la poudre d'encens, là. Tu déposes sur le charbon. Attendez, vous montrer la poudre. La poudre d'encens est comme ça. Vous voyez? Vous voyez, c'est un peu comme ça. Tu poses ça sur le charbon. La fumée là entre directement là-bas au stade.
Je dis directement au stade. Dans tout ça, tu fais tes intentions. Hein. C'est pas que tu mets seulement. C'est que quand tu mets, plus la fumée la monte. Vous voyez comment les femmes bassins réchauffent souvent le stade. Quand tu mets comme ça, la fumée la grimpe. La fumée la grimpe. Non, ce n'est pas pour les teasers avec. Ce n'est pas pour les teasers. Vous pouvez entendre que oh, je ne suis pas un exemple pour la jeunesse camerounaise. C'est pour les fiancés, les mariés, les gens qui sont en couple officiellement, quoi, qui sont dans les relations assumées. Parce que la manière dont ton gars vient après, là, c'est qu'il te donne la première place. Si c'est l'argent, il te donne. On appelle ça le kit collé serré. Ça a trois produits. Le produit pour mettre la bas des dents, l'encens pour la fumée qui part la bas des dents, et maintenant la poudre qui part. Hein. Si vous voulez, vous écoutez. Si vous ne voulez pas aussi, oh, moi j'ai fait mon travail, c'est de parler. Parce que les hommes m'ont dit que oh, moi, c'est seulement les produits pour les femmes. Oh, moi, je produis juste pour les femmes. Je vais vous montrer le produit des hommes. Parce que vous demandez tant. Vous avez constaté que depuis que le produit s'y est arrivé, depuis que ce produit est arrivé, je n'ai pas encore fait, je ne fais pas de communication vraiment là-dessus parce que c'est un produit qui se vend comme des petits pains. Qui connaît ce produit? Donnez-nous le nom de ce produit-là. Dès que tu donnes le nom du produit ici, la première personne qui trouve le nom de ce produit a droit à quoi? On va donner quoi? Non, sacré Dieu, je ne vous ai pas trahi. Qui connaît le nom de ce produit-ci? On est la Nubissi, tu demandes, c'est donne ça à mon mari. Tu es ma belle-mère. Tu es quoi dans mon foyer? Tout ça, c'est que ça. Qui connaît le nom? Ouais, oh, vraiment, j'aime quand il fait mon coup comme ça. Les élèves sont assidus. Ça, c'est quel produit? Qui connaît le nom? Attendez, je vais donc renverser la caméra, comme ça vous allez me dire. Ça, c'est quel produit? Voilà. Ça, c'est le café Bangalux. Le café-ci que vous voyez là. Le café si. Ah, ça boit. Eh, ah, le café si. C'est pas les ronron qu'on bavarde là, le café si. C'est-à-dire que, vous savez que de nos jours, les hommes ont de plus en plus les problèmes de faiblesse sexuelle. Ce n'est pas un thé, c'est un café, attention. C'est pas le thé, c'est le café. Les problèmes ont les hommes. Les hommes. Hein? Voilà, les hommes ont les problèmes de reprise, justement, après le premier coup. Ça dit ça, c'est pour ceux qui réussissent même à faire le premier coup, parce que il y a de nos jours, les hommes sont tellement devenus faibles aux fesses. Je dis faibles aux fesses que même pour faire le premier coup, la maman, l'érection est molle comme il n'est pas fini. Il manque un peu, on touque un peu le bâton de brochette dedans pour que ça entre, on fait entrer ça nous-mêmes comme ça, après pour faire sortir. De nos jours là, même c'est pas nuit là, même c'est pas nuit, même sexuellement n'est plus facile d'être. C'est-à-dire que des hommes d'aujourd'hui ont des érections tellement molles que il peut même mettre, ça n'entre pas. Ouais, nous les femmes on souffre. Parce que quand nous les femmes finissent d'utiliser au collet serré comme ça, on peut utiliser les niasses moi et ceci. À un moment maintenant, l'homme doit avoir maintenant la virilité nécessaire pour framponner la chose. Maintenant, quand toi, l'homme, pendant que nous, on a préparé, le vagin est à serrer comme toi, maintenant, tu ne bandes pas, on fait comment? Toi, maintenant, tu ne bandes pas, on fait comment? Ouais, on souffre. Sans vous mentir, non, il y a toute une association des femmes qui simulent dans ce pays. Et on est fatigué. Je parle au nom de l'association des simulatrices. Les femmes sont fatiguées de simuler. À un moment là, facilitez-nous la tâche. Parfois, même quand il s'arrive, maman s'est levée, le gars ne fait même pas 3 secondes.
un, deux, trois. Même quand tu commences à crier, quand tu commences à gémir, tu vois que le gars est au point mort. C'était bon. Le ticket est sorti. Ouais, Seigneur. Ouais, que. Ouais, que. Oko. Ouais, mon Dieu. On est fatigué. On est fatigué de vous mentir qu'on ressent quelque chose alors qu'on ressent rien. On est fatigué. À un moment, mettez-vous à notre place. Vous croyez que c'est facile? C'est-à-dire que les femmes sont devenues des actrices sans avoir fait l'école de Mitumba. On est devenues des actrices comment? Oui, ouh chérie, ouh, maman c'est bon. Alors que rien n'est bon là, on ne ressent rien. On ne ressent rien de ça. Ouais, mais parce que tu vas donner un 5 francs après, ou même parce que tu es le titulaire, c'est toi qui paye la maison, c'est toi qui paye l'école de papy. On est obligé de dire que, woko, le père, tu veux me tuer. Alors que rien, tu veux rien tuer, on ne ressent rien. Ouais, que Seigneur, vous souffrez. Ouais, faut les voir dans les commentaires au 2-0 le dimanche. Faut les voir dans les commentaires. Maman, j'ai touché ma femme hier. J'ai touché la fille là hier. Elle est couchée là-bas, pardon. Je l'ai touchée. Hé, mon frère, elle est couchée parce qu'elle a sommeil. Ce n'est pas parce que tu l'as touchée, c'est parce qu'elle a sommeil. Elle a fait le casting toute la nuit. C'est-à-dire qu'elle a fait, le feuilleton toute la nuit. À te mentir que toi, tu es arrivé quelque part, alors que tu n'arrivais nulle part. Donc le matin là, quand la série est terminée, c'est là-bas même où elle dort maintenant. C'est à ce moment où elle dort. Et les faibles aux fesses la connaissent, fait les commentaires. Quand tu vois un homme qui accouche avec une femme, après qui part à voter, sachez que c'est un faible aux fesses. Parce qu'un homme qui sait qu'il a framponné, il n'a même pas le temps. Il connaît ce qui vaut. Il connaît ce qui vaut, il n'a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Je dis que la fesse là. Pardon, je sais que les hommes ont honte de témoigner. Ils témoignent sur mon téléphone. Quand vous appelez, vous dites que maman, un homme qui a commandé un sachet hier, il t'appelle 4 jours après qu'il veut y avoir 3 sachets. Quand tu lui demandes où est le père, le témoignage est où? Il te dit que non, je vais témoigner après les 3 sachets là. Après les 3 sachets si que tu vas envoyer ici là, il disparaît. Parce qu'ils ont peur de laisser le témoignage. Ils ont peur de laisser le témoignage parce qu'ils savent que peut-être c'est la honte de la faiblesse sexuelle jusqu'à. Les hommes ont honte de la faiblesse sexuelle. Bête encore nous les femmes avec nos tunnels. Quand une femme a le tunnel, elle va te dire que ça danse. Fais seulement la cordonnerie sur ça. Ça danse. Mais l'homme, d'abord pour venir acheter maman. Encore, il va venir avec les formules magiques de ça. Il va venir d'abord avec les formules magiques de ça. Que, oui, bonjour. Oui, vous avez un café, je sais pas, vous avez un thé là, vous avez un truc, un produit pour homme. On dit, papa, quel produit? Il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits. Un produit là pour les hommes et tout. On lui dit, papa, c'est quoi? Je crois que c'est un thé, oui. Voilà. Il choisit, comme le café bengalais, il traite beaucoup de choses. Ça traite d'abord la faiblesse sexuelle, ça traite l'éjaculation précoce. C'est-à-dire un homme qui reçoit ma bandée, dès qu'il met à peine il entre au stade, bam, le maillot se déchire. Maman, il est abouillé. Il sort du stade. Remplacement. À peine entré au stade, remplacement. Ouais. Donc, dysfonctionnement érectile. Tantôt c'est tendu, tantôt c'est le million d'or. Tantôt c'est tendu, tantôt c'est le million d'or. Manque de désir sexuel. Un homme que. Maman, tu as acheté toutes les lingeries de la terre. Dès qu'il rentre, tu portes ça, tu viens te passer devant lui. À un moment, tu commences à croire que c'est celui qui baise son chef. C'est comme si son patron le baise. C'est comme s'il est mis dans les trucs compliqués. Parce que tu tournes devant lui, maman. C'est comme s'il ne te voit même pas. C'est comme s'il ne te voit même pas. Tu commences à soupçonner qu'il est dans les sectes. Alors que maman, c'est là. C'est que maman, ça ne se lève pas. C'est qu'il cherche même, il cherche même. Comment il peut faire même pour, je sais pas, pour faire le statut pas de ça, entre seulement et sorti, il n'y a pas moyen. Ça stimule et ça booste la libido. Ça veut dire que quand un homme voit sa maman, il a seulement envie de faire. Maman,
Vous voyez que le genre que, comme j'ai connu un gars chez les boulots, maman Duracell, c'est-à-dire que dès qu'il fait là maintenant, il jouit là maintenant, là, son tout ne tombe pas. Hein. Ça reste debout. Hein. Deuxième coup, il refait, ça reste debout, ça ne tombe pas. Ça tombe quand tu tombes, tu vas dire que ya papa. Ce ne sont les espèces rares chez les boulots, les espèces rares. Donc ça là maintenant quand il boit ça, en fait il a tellement envie de toi, il fait maintenant là, ça tombe même. C'est-à-dire qu'il te fait premier kumbang, après quelques minutes là, donc c'est comme si ça gratte, c'est comme si son truc gratte. Il te tourne encore comme ça, il met. Maman, j'ai donné ça à une de mes chahilles qui est là, le lendemain elle me demande deux jours de repos. Je lui ai demandé que où est le rapport. Entre le café et le travail ou le rapport, ma chérie. Deux jours de repos là, c'est que quand elle a pris ça un samedi, tout à jour le dimanche, son gars ne l'a pas laissé. Son gars était seulement détendu. Donc dimanche, elle vient, elle était épuisée. Elle avait même le sperme dans les yeux. C'est là où elle me demande que madame, pardon, et c'est pas un repos de deux jours. Je lui ai demandé que rapport is where? Where is the rapport? On doit te donner ma chose pour me nuire moi-même. Oui, il commence à faire ça proprement. Donc maintenant, les filles qui ont les plus chauds là, ce sera compliqué. Hein, parce que quand ton gars va vouloir que tu sortes de la maison, il va devenir particulièrement attentionné à tes faits et gestes. Parce que tu dois toujours être à côté. Tu vois le genre d'homme qui rentre encore à midi à la maison. C'est-à-dire qu'à sa pause de midi, lui, il est chez lui. Vous voyez un peu le genre là. À midi, dès que midi son bec, au lieu d'aller manger au méridien et tout ça, et ses amis, il est à la maison. Hein. Il est à la maison, il vient manger le mets de pistache avant de le partir au boulot. Vous voyez un peu le genre là. Donc, augmente la testostérone. Ouais, Seigneur, c'est vrai que ce café a des vertus pas possibles. Ça traite les hémorroïdes. Donc, si tu es un gars même qui est double puce et que tu as ça là-bas dedans, tu bois ce café, ça te fait rentrer les hémorroïdes un tour. Ça te fait rentrer les hémorroïdes là un tour. Mais ton chauffeur avait fait comment? On parle du gars et tout là. Régularise le taux de glycémie. Donc quand tu bois ça, ça te remet ton taux de glycémie à jour. Ça contrôle la prostate. C'est écrit, hein? Quand tu achètes ton sachet, tout ça est là. Ça contrôle la prostate. C'est contre la prostate. Les hommes de maintenant, tu entends, oh, on va commencer à faire les chimios, on va commencer à faire les radios, parce que tu as la prostate. Ça là, c'est contre. Ça veut dire que quand tu as la prostate, tu bois ce café tous les jours. Tu n'as pas un mois pour venir témoigner. Ça nettoie les colons. Ça, c'est tout pour les hommes double puce. Les reins et le canal urinaire. Vous savez, il y a des hommes qui ont même une très mauvaise qualité de sperme parce que le rein est sale. Le canal urinaire est sale. Avec tous les mauvais whisky, les faux whisky que vous buvez là. Les faux champagne, les faux vins, les fausses Heineken. Tout ce qui est frélaté là que vous buvez, ça entre ici, ça va créer des déchets dans vos reins là. Et puis, ça liquéfie votre sperme. Parce que le bon sperme est comme ça. Quand tu touches comme ça, là, c'est épais. C'est pas le genre de sperme qui a de l'odeur. Le vrai sperme est indolore. Ça ne doit pas avoir d'odeur. Et c'est épais. Ça renforce la force physique du corps. Donc, si ton gars est un gars faible, quand il commence à boire ça, même physiquement, lui-même, il ressent qu'il a une force physique qui vient de nulle part. C'est un café anti-vieillissement, anti-oxydation. Oui. Vous voyez tout, un petit sachet comme ça là, toutes les vertus que ça a. Et ce que je ne vous ai pas dit et ce qui n'est pas mentionné ici, c'est que c'est un café qui est instantané. Mais elle est instantanée. Ça veut dire que quand tu bois ça maintenant, dans les 10 minutes qui suivent, ton peignet est attendu comme ça que dans un an. Maintenant, vous les femmes, votre rôle aussi, c'est quoi? Parce que les hommes
ont souvent honte de poser ce genre de problème à leur femme. Les hommes ont souvent honte, beaucoup même, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent accuser la femme pour la culpabiliser, alors qu'eux-mêmes, ils savent que c'est eux le problème. Mais ils accusent la femme, voilà. Donc, toi, ce que tu fais, ma peau, c'est quoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont particulièrement susceptibles. Dès que tu abordes le sujet, ils commencent à être... Parce qu'ils ont honte, c'est normal. L'homme, c'est le corps. Il n'aime pas que ses faiblesses soient affichées comme ça, là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous achetez le café-ci. Le soir, quand il finit de manger le ndomba, ou bien quand il finit de manger, je sais pas, le pilet que tu as préparé, tu prends la tasse, tu lui dis que chérie, on va regarder un film. On va regarder un film. Même s'il est aveugle, tu lui dis que vous allez regarder le film là. Et s'il est aveugle, il s'assoit là, tu vas lui expliquer le film. C'est comme ça. Vous vous asseyez. Quand il est assis là-bas sur le canapé, tu prends, tu déchires ton sachet de café Bangalus comme ça là. Tu mets dans l'eau chaude. Tu mets dans l'eau chaude. Je dis que tu mets dans l'eau chaude. Tu tournes sans sucre. Maintenant, si tu veux, tu peux mettre un sucre mais, ou deux. Mais bon, c'est à ton aise. Hein. Mais généralement, sans sucre ajouté, c'est la base. Tu prends, tu mets dans ton eau, tu tournes, tu mets dans la bonne tasse. Tu viens, et ça a le goût du café. Hein. Ça a vraiment le goût du café. Ça a le goût du Nescafé ou bien, je sais pas, n'importe quel café que vous buvez. Ça a le goût, vrai goût du café. Dès que tu ouvres là, tu lui mets deux petits biscuits là dans le, à côté, si tu veux. Si tu veux vraiment accompagner voilà, le truc, quoi. Dès que tu mets dans la tasse, tu viens lui donner que chérie. Voilà ça. Voilà le café. Toi-même, tu peux boire. Et c'est mixte, hein. Les femmes peuvent boire aussi. Les femmes peuvent boire. Mais si toi, la femme, tu bois, maman, et que ton gars n'a pas bien bu, ça part. Mon Dieu! Tu vas t'enrouler dans la maison, là, comme le serpent, en train de gratter tes fesses comme ça. Là, on ne va pas te dire. Donc, il faut les laisser boire, s'il vous plaît. C'est mieux. C'est mieux, mais you, laissez-les boire. Donc, tu prends la tasse, toi, tu mets, et puis il tourne. Pendant que tu es en train de regarder le film en question, ou bien pendant que tu es en train de lui expliquer le film, il est en train de boire. Avant la prochaine séquence du film, là, c'est-à-dire que dans les 15 minutes qui suivent, tu vas seulement sentir une main maladeuse qui est en train de te toucher, qui est en train... Tu fais même semblant, tu fais même genre, oh non chérie, laisse-moi regarder le film, alors que tu veux, mais tu fais la voix semblant, genre, le temps que les effets prennent bien, un temps là, même s'il ne veut pas, ce sera ce moment où ça, pam, à ce moment-là, donc, soit tu éteins la télé, si vous êtes seul dans la maison, tu éteins la télé, tu le laisses te porter et t'emmener au stade. Ou alors, s'il y a des enfants à la maison, ou bien si vous avez des gens, les belles-mères et tout, c'est à ce moment que toi, tu mets donc Trace Africa, ou Trace, je ne sais pas quoi, mais Trace Africa parce qu'il y a bien la batterie. Tu mets le volume parce que quand toi, tu vas crier là-bas, il ne faut pas que les gens de la maison entendent ce que tu es en train de dire. Donc, tu mets Trace, tu mets le volume, tu pars maintenant au stade et tu joues le match. Là, demain, tu prends ton téléphone, tu viens donner ton témoignage à Ivana. Et maintenant, ceux qui ont étudié, ça venait de voir votre témoignage dans mon IBO. Venez déployer ça ce soir-ci, dans mon eBay. Au café-ci. C'est le genre de café que tu commandes un aujourd'hui. Demain, tu commandes trois. Après, demain, tu commandes le carton. Au café-ci. On ne rigole pas, oh. Maintenant, quand ton gars a pris ça, tu dois se rassurer que toi-même, la fille, tu es préparée. Parce qu'un homme ne va pas faire tous les efforts si après, il veut entrer, il voit que c'est la rivière. Toi-même, la fille, maintenant, tu dois avoir un vagin qui est prédisposé à recevoir l'équipe. Tu dois être prédisposé à recevoir l'équipe. Oui! Ce n'est pas ce que les Ivoiriens nous ont fait l'autre jour là qu'on est parti jouer chez eux. Tu apprêtes le stade bien. Apprêtez le stade. Je vous ai montré la nouvelle version du Nias Moi. Attendez, je vais retourner la caméra. Voici le nouveau Nias Moi. Eh ah, le truc c'est... Ça là. Non, je vais parler ça dans un prochain direct. Ça là, tu ouvres comme ça. C'est différent de l'ancien Nias Moi qu'une seule utilisation. Est. Ça là, c'est au moins un mois, voire deux mois d'utilisation. Tu ouvres comme ça.
maman, tu prends comme ça. Tu mets les dents. Maman, les échos, ce qu'il y a ici dedans. Les écorces des filles Bassa qui est ici dedans. Les écorces du centre. Bassa et petit mélangé. Qui a ici dedans. Pardon, le truc, ça ne parle pas trop. Ça, c'est le niasmoi 2022. Ça. C'est le niasmoi 2022. J'ai dit que c'est différent. Ceux qui ont connu l'ancien niasmoi là, là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'était fait avec des herbes médicinales asiatiques. Un petit mélange de nos écorces d'ici. Mais ça là, c'est purement local. Purement local. Ça là. Et je dis que quand tu achètes ta boîte comme ça là, c'est en au moins 2 mois que tu as fait avec. Chaque fois que tu as match, tu ouvres comme ça là. Tu prends un peu, tu mets les dents, tu attends. Maman, le resserrement de ça. Le nettoyage. Non, c'est pas le même prix, Michel Bécolo. Ça peut pas être le même prix. Parce que l'autre, c'était une seule utilisation. Une fois que tu as mis, c'était bon. Tu peux pas remettre. J'ai dit ça là, c'est plusieurs fois. Tu utilises plusieurs fois. Maman, ça, c'est les écorces de l'émergence. C'est le niasmoi de l'émergence. Ça là, c'est nous. J'ai dit que vous voyez ça comme ça là. On utilise ça pour avec son ovule. Avec son ovule niasmoi. Voilà l'ovule niasmoi ici. Voilà le niasmoi même. Voilà le niasmoi. Voilà l'ovule de ça. Et avec le thé de ça. Surtout pour les femmes qui veulent concevoir. Voilà le thé niasmoi. Donc voilà la gamme niasmoi ici. Ah, vous attendez souvent que niasmoi, niasmoi. Voilà la gamme. Il y a le thé. Il y a l'ovule. Et il y a... Émergence 2035. Comme quelqu'un dit en commentaire. Ah oui. Donc là-bas, non, c'est le Terminator. Ça ne cause pas. Ça ne cause pas en fait. C'est que c'est un produit. Oh là là. C'est un produit... C'est un produit que, je sais pas, les filles qui sortent avec les footballeurs et tout ça, là, c'est des trucs comme ça qu'elles utilisent. Hein? Vous pensez qu'elles utilisent quoi? vous pensez qu'elles partent chez les madames de Mabanda? Non! Elles viennent voir moi, la madame la plus choco des réseaux sociaux, c'est moi. La plus belle madame de Facebook, c'est moi. La plus belle marabout même. Ou c'est marabout que vous appelez, même quand vous aimez dire que je suis marabout, alors que je ne suis pas mon marabout, je suis malade, je suis une spirituelle, je suis la plus belle. Vous pouvez voir une spirituelle, vous avez même déjà vu les malades. Vous avez même déjà vu les malades. Eh bien, acheter ça, le niasmoi, si ça ne cause pas. Donc, c'est un produit que, gars, surtout les filles de la diaspora, là, ou bien les filles d'ici qui ont les bons gars, les bons plans là. C'est ça qu'il faut utiliser, maman. Ça te donne, ne parle pas trop. C'est en eBay que je donne tous les détails de ça parce qu'il y a trop, il y a trop, il y a trop les arnaqueurs là qui vont venir, voilà quoi. Donc je vais vous laisser. Ouais, le bout de pas. Je vais vous laisser. Je vais donner encore quelques ondes à quelques personnes, d'accord, avant de prendre congé de vous quoi. Le prix c'est eBay. Voilà, et pour ceux qui veulent devenir millionnaire rapidement, vous pouvez investir dans la représentation de mes produits. Je vous assure, c'est une réussite totale. Quand tu représentes mes produits, donc tu es là, ton argent ne fait rien en banque. Viens représenter mes produits. Tu seras millionnaire en un temps record. Hein? Donc même les anakas, si les anakas étaient intelligents, n'est-ce pas, c'est qu'ils représentent plutôt mes produits. Et ils se font de l'argent. Mais malheureusement... Se contente d'arnaquer les 10 000 et 20 000 pour 2 jours après le temps que je dénonce, après que les gens commencent à faire attention, non? Mes représentantes ne souffrent pas, les femmes qui me représentent dans le monde entier. Quand tu me représentes, tu es couché dans ton lit, ton téléphone ne fait que faire parce que mes produits se vendent comme des petits pains. Et vous savez pourquoi mes produits se vendent comme des petits pains? Parce que ça marche. Je n'ai presque que des produits instantanés. Même mon jansan instantané. Ça veut dire que moi, j'ai le genre de jansan que dès que tu mets aujourd'hui, demain, tu as blanchi. Si c'est le niasmoi, dès que tu mets aujourd'hui, demain, ton vagin est serré. Si c'est le collet serré, dès que tu mets aujourd'hui, ce que tu demandes à ton gars le lendemain, il te donne. Si c'est le kit domination, vous-même, vous avez vu les témoignages de domination, ça ne pose pas. C'est un kit que ça ne parle plus trop. Ça ne fait plus trop la pub. Si c'est le thé niasmoi que vous voulez représenter pour les femmes qui veulent accoucher, vous avez vu les témoignages. C'est
C'est que dès que tu commences à boire, des choses qui commencent à avoir sorti de ton ventre, toi-même tu t'assois, tu respectes. Oui! Il faut représenter les personnes qui sont hors du pays là. Je vous invite à représenter mes produits. Vous allez aimer le goût de l'argent. Vous allez aimer. Oui, parce que ne devient riche que celui qui fait dans du bon. Tu ne peux pas faire les faux produits et puis tu vends. Tu vas vendre aujourd'hui, tu vas vendre demain. Après demain, tes clients vont venir te saquer et ça va terminer ton business. Pourtant, quand tu fais le bon, tu vends aujourd'hui, demain et éternellement. C'est comme ça. Mes représentantes, généralement, même j'ai des problèmes avec elles parce qu'elles sont constamment en rupture. Et quand elles sont en rupture, généralement, l'argent les aveugle. Donc, quand elles finissent de vendre, elles prennent le capital autant pour moi et le bénéfice, elles mangent. Maintenant, elles voient l'argent devant leurs yeux. Elles mangent, vous voyez, quand vous n'avez pas l'esprit d'entrepreneuriat, elles mangent et après, elles n'arrivent pas à recommander et les clients se plaignent. Oh, Ivana, il n'y a pas les produits au Gabon, il n'y a pas les produits au Congo, il n'y a pas les produits en Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, mais quand tu me représentes, tu ne fais pas la publicité, c'est moi qui fais la publicité pour toi. Maintenant, imagine alors si tu as l'exclusivité, mais pour avoir l'exclusivité, c'est beaucoup d'argent. Hein. Pour avoir l'exclusivité dans un pays, c'est beaucoup d'argent, il faut être millionnaire. Comme par exemple, je suis représentée exclusivement en France, en Guinée, Conakry, ou encore en Ouganda. Et comment on appelle, en Sierra Leone, je suis représentée exclusivement dans ces quatre pays. Et pour représenter exclusivement, ça veut dire que tu dois être la seule. Même si quelqu'un d'autre vient me donner son argent, je n'accepte pas. Tu as 10 millions. Regarde, tu as trouvé 10 millions. Or, pour représenter les produits normalement, tu peux représenter normalement et donner la possibilité aux autres personnes de représenter aussi dans ton pays. Là, tu viens avec à partir de 250 000 pour me représenter. Je t'envoie les produits que tu vends. Tu mets ton bénéfice de côté, c'est ça. En Allemagne, je ne suis pas encore représentée. Donc, si quelqu'un est en Allemagne et veut représenter mes produits, la personne aura trop d'argent parce que j'ai trop de clients en Allemagne, en Belgique, au Canada. Je n'ai pas de représentant au Canada. Hein. Pourtant, j'ai plein de clients au Canada et tous les jours, on fait des expéditions. Dommage. On passe le temps à expédier les produits. Or, imaginez un pays comme le Canada où j'ai pratiquement 10 à 15 expéditions par jour pour le Canada. Imaginez que quelqu'un prend la représentation exclusive là-bas où elle est seule, mais elle va se faire des millions de francs. Elle va se faire des... Représenter les personnes qui ont le nom comme moi. Représenter les personnes... Aujourd'hui, le business, c'est ça. C'est une facilité hors pair. C'est-à-dire que le genre de business où tu ne fais pas de communication, tu ne communiques pas, tu ne souffres pas. C'est moi qui fais tout pour toi. Je mets seulement ton numéro sur ma page et les gens t'appellent. Tu te fais de l'argent comme ça gratuitement. Il faut représenter les produits. Les personnes qui veulent représenter peuvent me contacter sur le 691-00-60-01. 691-00-60-01. 691-00-60-01. Vous me contactez sur WhatsApp, là-bas, on va causer. On va causer. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour représenter tel ou tel produit, ainsi de suite. C'est une très bonne affaire. Mes représentantes de cette année, il y a une de mes représentantes qui m'a envoyé une enveloppe. Une petite enveloppe, c'est pas grand-chose, mais une petite enveloppe de 500 euros. Elle m'a dit merci. Depuis que je te représente, je n'ai plus de problèmes. Mon salaire, on me vit, mais mon salaire, je peux même plusieurs jours avant de regarder. Une fille qui est en Europe, elle m'a envoyé 500 euros que maman boit le jus. Continue de nous produire, de nous faire les bons produits. Continue d'innover, continue de nous sortir des produits qui marchent. Parce que moi, elle me dit que quand le client qui a acheté le produit lundi, c'est le même client qui revient acheter le produit vendredi. Parce que la satisfaction est au rendez-vous et c'est ça qui rend riche. Elle se fait un argent de malade depuis qu'elle me représente. Vous savez, moi, je ne peux pas desservir tout le monde entier. Je ne peux pas. Donc, si vous êtes mes représentants, je vous jure, vous allez vous faire un blé de ouf, quoi. Donc, je vous invite, voilà. Je vais vous laisser. Il y a trop, maman. Du pré-matin au bureau, maman, elle va me tuer. Donc, je vous laisse. Je réponds pas. Non, je réponds à WhatsApp, mais soyez patients. Sur WhatsApp, je vous ai dit que j'ai plus de 20 000 messages. Soyez patients, mes amours. On va vous répondre.
De temps en temps, ce que vous faites, c'est que actualisez vos messages. Actualisez. Chaque fois vous actualisez, vous verrez. Alors, je vais vous laisser. Le numéro, c'est le 691. Pour ceux qui sont hors du pays, vous ajoutez le 231. C'est le 691-00-60-01. Bon, je vais donner quelques ondes avant de partir. Myriane, je ne sais pas qui reprend. Liliane K, Calice Kimi, Perpétue la fortune même. Sparky, ton ouragan, ça, c'est pas ton vrai nom, ça. Marine Doumbé, Liliane K, j'ai déjà prononcé. Sephora Monique. Allez-y rapidement. Godrine Bono, Cynthia Soulil Kiema, Baran Alan, Anita Togo, Pressica Mopaka, Leslie Vogo, Camille Niki, Larissa Mazeu, Carole Omba, Nutra Gumi, ça c'est pas ton nom ça, Esaïe Bayek, Vanessa Momo, Anis Ngamben, Da Francis Pagana, Laura Fouatsop, Eurydice Zekema, Loris Tchafak, Aurélie Mbongo, Sacré Don, c'est pas ton nom ça. Anita Okembungu, Don Sacré, enfin. Kevin Noadia, Vicky Ambadian, Laila Tou, Malam, Laurel Kenfak, Camille Niki, Vini Kuitchoa, Sonia Ngunu, Sushi Tiona, Anita Togo, oui j'ai déjà prononcé, Vicky Ambadian, Daniel Serenab, Nadine Disake, oui là, c'est pour que j'ai déjà prononcé, Chaveli Tonfak, Cathy Léa et Papé, Idriss Awa, Calix Nchouette, Nadia Akpla, Marcel Anko, Esaïe Bayek, Eva Fabiola Metou, Meo Lili Nelly, Perpétue la fortune même, Naen, Men Evran, Ornel Medov, Idaka, Clémentine Macalet, Tatiana Daika Choupé, Kevin Grassiwa, Géraldine, Stella, Marine Bessot, Bernadette Meunier, Eva Fabiola Metou, j'ai déjà prononcé, Achou Dominique, Ingrid Enka, Sonia Ngunu, Michel Darlis, toutes les personnes dont je viens de prononcer le nom là-dedans reçoivent une onde, des ondes positives pour le compte de cette nouvelle semaine. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur se manifeste puissamment dans votre vie cette semaine. Et j'espère qu'avant la fin de la semaine, vous viendrez témoigner dans mon inbox. Je continue. Henri Asuga, Diane Daniela, Michel Obema, Vanessa Momo, j'ai déjà prononcé. C'est aussi Tiona, Sarah Dacosta. Allez-y rapidement parce que je vais couper. Juliette Laurentine, Ségolène Delva, Mina Kiss, Dre Ayu. J'attends les témoignages. Hein? Mimi Bouffan, Annette Ngono Amougou, Esther Pingani, Rachel Mapera, Leslie Bidjo, Manuela Elisabeth, Viviane Cindy, Nadège Divine, Leslie Bidjo, Audrey Jim T, Linda Kambou, Christelle Njiki, Elodie Madi, Ejeu, Lorraine Dombou, Divine La Flamme, Cynthia Souli Nikiema, Mina Kiss, Marie Vanessa Ekwala, Marie Grace Mbala, Inieta Maliki, Charlène Tsa, Mili Bouffan, Elsa Dash, Cathy Léa et Papé, j'ai déjà prononcé, Dan Carrel, Lionel
Athanase, Tatingum, Nivelle Kofana, Elodie Demetiki, Roberta Ngando, Diane Daniela, Jiré Cassia, Kevin Grassingwa, Wendy Mesatio, Berthe Vivamatch, je crois que j'ai prononcé ça, Nivelle Kofana, Carole Gitonga, Maggie Chetou, Stella Agnam et Domeka, Laurie Tafak, Marie Avina, Grace Dumba, Leslie Bidjo, Sontra Gifo, Leslie Omam Sarianda. Je ne saute pas, c'est que les messages, ça paraît très rapidement, ça défile. Sky Taylor Maoutio, Tiote Brown Fatoumata, Tekle France Guidjoy, Elodie Madi et Jehu, Sarah de Dieu, Viviane Cindy, Limat SDD, Wendy, Félicité Sombé, tu as prononcé mon nom, j'ai reçu comme un étourdissement. Oui, je vous ai dit en début du direct que il est possible que quand je prononce votre nom, que vous ressentiez des vibrations. En fait, c'est parce que je vous transmets des ondes. C'est spirituel. Donc, vous êtes censé recevoir ça physiquement, en fait. Alors, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Il faut que je parte. Bisous. Je vous aime. Allez, on se reparlera tout à l'heure. Je vais essayer de lire si j'ai quelques anonymes. Et puis, on va continuer sur la page. Mariette Babia, bye bye. Christelle Taboula, Jiré Cassia, j'ai déjà prononcé. Donia Bellinga, coucou. Je peux pas saluer tout le monde. Farel Dabové, Pepetit La Fortune, oui. J'ai reçu mes ondes, mon corps a tellement vibré. Ah oui, 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 oui. Les ondes là ne blaguent pas. Est-ce que c'est le jeu? Allez, je vous embrasse. Bisous, Sorel, madame.